Salut à tous et Bonjour. bienvenue sur la table ronde. Nicolas va te faire enculer. Aujourd'hui, table ronde sur Seul sur Mars. Je suis en compagnie de Charles, Salut. de Valérian. Salut. Valérian, Valentin. Bonsoir. Il y a des V partout. Valentin qui est le doubleur officiel de Charles. Vous entendrez ça plus tard. Mathieu. Bonjour. Et puis les trois membres de la table ronde, Anthony, Salut jeunes gens. Nicolas Bonjour. et Adam Lesiak. Ouais. Flash C'est quoi ça? Ah, c'est trop moche. tiponi, mec, mounienne. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Là, Donc, on ça va va aller. commencer premier tour de table, premières impressions. Allez, on va commencer par Mathieu. Qu'as-tu pensé de Seul sur Mars? Ça fait bizarre de passer d'Aladin à Seul sur Mars. Ça fait vraiment très bizarre. Non, mais franchement, c'est un très très bon film, un très très bon Ridley Scott, comme il n'y en avait plus depuis ces trois derniers, c'est-à-dire Prometheus, Cartel et Exodus, ils n'étaient pas au niveau. Là, c'est bien parce qu'on nous sert un film spatial qui est pour moi bien meilleur que Gravity et Interstellar, qui est un cran plus haut, qui arrive à allier humour, effets spéciaux incroyables et surtout le degré d'immersion grâce à la 3D qui, enfin, pour moi, c'est la meilleure 3D de cette année avec Everest. Donc voilà, un très très bon film, bien rythmé, enfin, avec un humour qui est bien véhiculé par Matt Damon de tout instant sur le fait qu'il ironise sa situation. Du coup, c'est beaucoup plus humoristique qu'Aladdin. Et très très C'est pas bon très film, dur voilà. en même temps. Voilà, c'est pas très dur de faire mieux Ouais, c'est qu'Aladdin. comparatif. Ouais, non, mais après, c'est pas comparable, mais enfin, pour un film dramatique, faire plus rire qu'un film censé être comique, je trouve quand même que ça montre qu'il y a un vrai problème au niveau d'Aladdin, mais je suis pas là pour parler d'Aladdin. Bon. Non, voilà, un très très bon film. Ridley Scott y revient en force et ça fait plaisir à voir. Charles. Eh bien écoutez, gars, moi j'ai passé un super moment. C'était une belle séance, un film très présent. Bon, je considère pas Prometheus comme une merde, comme beaucoup pu dire, mais oui, c'est sûr que ça relève le niveau et que c'est en fait au niveau de Ridley Scott. On sent qu'il s'est gâché, on sent que c'est un bon feel-good movie, comme ça a été dit par beaucoup de critiques. Non, vraiment, super film. Valentin. Ça va, c'est bien. Non, c'est un bon divertissement, c'est pas trop con, c'est assez bien amené. Après, ça a d'énormes défauts dus à son personnage principal ou à la manière dont c'est foutu, mais bon, c'est pas trop grave. Il serait temps que Ridley Scott fasse un documentaire, parce que vu les images qu'il arrive à dégoter en filmant Mars, j'ose pas imaginer ce que ça ferait s'il faisait un truc sur les Galapagos ou un truc comme ça serait plutôt pas mal. Mais non, non, un bon film, c'est bien quand même. C'est un très bon cru, on va dire. Valérian. Le film était sorti un peu de nulle part, enfin il avait été annoncé quand même un peu de temps avant sa sortie. Moi je trouvais que c'était très sympathique à regarder, c'était un peu en pilote automatique j'ai envie de dire, mais c'était très bien fait. Très bien. Adam. Eh bien, j'étais assez surpris de la part de Ridley Scott, étant habitué à des films médiocres ces dernières années de sa part, comme... Pas Prométhéeus ces Ne dernières dis... années parce Non, que non, tu non, ne dis non. pas Prométhéeus Adam, s'il te Non, plaît. mais comme Robin des Bois, Prométhéeus. Exodus. Oh, Robin des Bois, il passe encore. Oh non, c'est une horreur. C'est Non, une mais à horreur, ce côté film. d'Exodus, c'est quand même Oui, mais c'est mieux. pas bien compliqué ça à côté d'Exodus C'est tout. pas c'est d'ailleurs Exodus en plus il s'est pas foulé, c'est il a repris le scénario du prince d'Égypte. Non. Oh, c'est une adaptation du Prince d'Égypte, voyons, de Disney. Voilà, comprendra qui pourra. Mais pour le coup, franchement, j'ai passé un bon moment devant le film. Ce qui était assez drôle, vu le titre, je m'attendais vraiment à un seul au monde, mais sur Mars. Alors qu'en réalité, pas du tout, Et ça n'a rien à voir. je reprends juste ce que tu dis parce qu'il y a un moment où j'ai pensé exactement à Seul au monde, je sais plus c'était dans quelle scène, et je me suis dit ça serait tellement marrant, juste pour l'anecdote, qu'il fasse un clin d'œil au film en se créant une petite statuette comme ça. Je me suis dit, ah, il pourrait faire Seul au monde, et en fait, non, il l'a pas Ouais, fait. mais J'étais un non, peu déçu. justement, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que tu regardes un film sur un gars qui est piégé sur Mars, mais t'as plus l'impression que le mec il est piégé, mais du style, oh bah en fait, c'est comme si j'avais loupé le métro, je vais attendre le prochain. C'est un peu Ça, ça, c'est ouais. un peu C'est un peu ça, ouais. ça.
Donc voilà, non, mais après, moi je suis pas contre cette idée. Je trouve justement, bah, c'est quelque chose d'assez neuf, d'assez original. On voit pas ça tout le temps, surtout dans des films de catastrophes dans l'espace. Dernièrement, Gravity, Interstellar, c'était vraiment très très sérieux. Là, non, c'est assez décontracté, c'est sympa. Franchement, une petite surprise. Bon, après, je trouve pas que c'est un film de ouf, mais voilà, non, c'était un bon film pour ma part. Anthony. Je me souviens qu'en 2013, on était parti dans l'espace avec comment s'appelle-t-elle ? J'ai oublié son nom. Sandra Bullock. J'ai surtout retenu son mini short, j'avoue. L'année dernière, on était encore parti dans l'espace à travers un trou noir avec Matthew McConaughey et son pessimisme. Cette année, Ridley nous envoie sur Mars, un régal. Je me suis bien amusé. J'adore Ridley Scott, j'adore son cinéma. J'ai aimé Exodus et je l'affirme, je me suis régalé également, même si, bon, c'était assez maladroit, je le confirme. En tout cas, voilà, c'est bonne sensation, bonne séance de cinéma. Enfin, voilà, Ridley, il est appliqué, il fait du bon boulot. Visuellement, c'est toujours beau, la bande-son est parfaite et pas que sur les thèmes disco ou les petites chansons connues qui donnent le côté un peu cool de ce film. Non, un vrai régal, c'est une vraie séance de cinéma où j'ai pris beaucoup de plaisir. Nicolas. Bah moi j'en sors là il y a quelques heures d'aller voir le film et j'ai eu l'impression de voir Gravity mais en mieux en fait, en plus poussé, pas scientifiquement parce que c'est pas forcément plus scientifique, mais plus d'humour. Parce qu'en fait Gravity j'avais vraiment l'impression de voir un documentaire et ça m'emmerdait en fait. Et en fait quand à la fin de Gravity j'ai l'impression de, je m'attendais presque à ce que ça soit le début de la planète des singes. Et en fait non, c'était juste la fin du film. Et du coup je me contenterai vachement plus de Sol sur Mars, qui me prend plus parce qu'il y a déjà un peu plus d'action. Et sans partir dans le catastrophique film de fin du monde ou grosse catastrophe machin, ça reste plausible on va dire, pour pas dire réel. Mais voilà, Gravity en mieux. Et bien surpris. Je m'attendais pas non plus à un truc de fou, mais voilà, j'ai bien kiffé ma petite séance sympathique. Et quant à moi, bah moi je trouve que c'est un film pas mal du tout, abordé avec légèreté quand même ce thème. Et le gros bémol que je mettrais sur ce film, c'est certaines scènes qui sont censées apporter une certaine tension, mais c'est un peu trop facile. Je détaillerai tout à l'heure, mais par exemple le coup de la base sous pression, le trou bouché avec du Chatterton et des bâches, j'y crois pas. Même si après ça apporte une scène de tension avec le vent ou la peur que la bâche se déchire, je trouve ça un peu trop facile. Pourtant, ça serait crédible, hein. Ça serait crédible visiblement. Ouais, en fait, il s'est entouré de personnes de la NASA et apparemment, c'est plausible. Je dis bien apparemment. On est toujours sur du apparemment avec ce genre de ouais, truc. C'est des théories. Je n'ai pas trouvé ça extrêmement plausible. On fait une base sous pression avec des matériaux qui sont censés être solides. Mais non, mais il le dit. Il le dit à la fin quand justement il retire le toit de la capsule. C'est que la pression martienne, elle est très très faible l'atmosphère, et du coup il n'y a pas de pression. C'est pas comme dans l'espace en fait, ou sur la lune il y a pas de gravité. Donc là c'est pas pareil, la pression sur Mars est beaucoup plus légère. Ouais, mais... c'est pour ça qu'il peut se permettre de mettre juste une toile sur le bout, c'est qu'il y a pas de pression. T'as la pression qui est différente à l'intérieur de la base et que sur Mars, tu vois, c'est ce qui fait que la base est pressurisée et qu'elle implose quand il y a le problème technique, tu vois. Si elle implose, c'est qu'il y a une pression ou une dépression quelque part. Elle n'implose pas, elle explose. Sinon, la base rentrerait à l'intérieur. Ouais, enfin, là, bref, elle va vers l'extérieur, donc elle explose. Enfin bref, tout ça pour dire, c'est qu'il n'y a pas les mêmes forces qui jouent d'un côté et de l'autre, et je trouve ça dommage de mettre juste une bâche, sachant qu'il y a du tempête de sable. C'est pas un problème de pression entre les deux, hein, quand elle explose, justement. Parce que sinon, elle imploserait dans ce cas-là, dû à la différence de pression, justement. C'est pas faux. C'est juste un défaut matériel, je crois. T'as une espèce de truc qui traverse la bâche, je crois, et ça fait exploser. Parce qu'il fait un truc juste avant, j'ai pas compris ce qu'il faisait. En fait, quand il rentre dans le truc, c'est une espèce de sas pour faire entrer de l'oxygène, tu vois. Moi, j'aurais dit dépressurisation, mais c'est vrai que bon, au final, si tu me dis ça, je sais pas. Dans un sens, il y a une dépressurisation, puisqu'il faut purifier l'air pour qu'il puisse enlever son casque, vu que dehors, il n'y a pas d'oxygène, quoi.
Mais donc du coup, toute cette scène de cette base, je la trouve un peu trop facile pour apporter l'attention après. Et puis il y a d'autres choses qui sont un peu trop faciles aussi, mais on en reparlera plus tard. Mais globalement, c'est un bon film. Et putain, il est drôle, quoi. Matt Damon, ouais, il est super drôle. Même voilà. Pas que lui, hein. Ou pas que lui, oui, pas que lui. Et Sean Bean ne meurt pas. Un deuxième film où Sean Bean ne meurt pas, ça faut le dire, vraiment. Ouais, cette année, ouais. Il faut le signaler. Il est bien casé dans sa base, là, donc il peut pas lui arriver grand chose à part qu'il sort un accident domestique, ouais. Qui veut nous faire un petit synopsis du film? Attends. Il part sur Mars, il peut pas revenir et il revient quand même. On réclame du Adam, j'ai entendu du Adam. Ouais, Adam, c'est le petit du film. Je suis pas préparé. Alors, c'est l'histoire de Matt Damon qui est sur Mars. Matt Damon, c'est Matt Damon sur Mars. Non, mais j'ai oublié son nom, en fait, j'ai oublié le nom du personnage. Mark Watney. En fait, il est sur Mars au calme. Il est en train de creuser des petits trous, analyse de cailloux et tout. Okay. Et là, bah, y a une tempête de sable qui surgit de nulle part, tu vois. Élément perturbateur. Alors non, pas de nulle part, elle était prévue, mais pas aussi forte. Ouais, mais enfin, c'est ça, quoi. Ouais, en fait, y aura un peu de vent. Ouais, non, c'est une grosse tempête. Et bien, ça se barre en couille, car il se fait prendre dans la tempête, et ses potes se cassent sans lui. Voilà. Le laisse pour mort, ouais, c'est ça. Et le mec doit se démerder pendant... 4 ans et demi environ, je crois. 4 ans et demi ? Bah non, sur le papier, non, il est supposé devoir se débrouiller pour 4 ans. Au final, ça dure qu'un an et demi, mais sur le papier, c'est plus court. Pouvoir se débrouiller, parce qu'à la fin, il dit j'ai pas pris de douche pendant un an, en fait. Oui, alors c'est vrai. Ouais. Là, un an, quelque chose comme D'ailleurs, il y a une incohérence. C'est qu'ils sont censés être à mi-chemin. Non, c'est parce que les scientifiques disent que normalement, plus d'un an passé sur Mars, le retour sur Terre est impossible. Dû au fait que t'as passé trop de temps là-haut, justement. C'est pas comme sur la Lune ou dans l'espace. Comment ça se fait, à cause de quoi? Je sais plus, une histoire de gravité, justement. Non, mais il y a une adaptation où il met ça. C'est la transition du vaisseau, c'est normalement. Oui, peut-être. Non, mais alors, là, on touche un point, c'est la chronologie du film. Je pense qu'il y a un gros problème, parce que combien de temps, dans le film, on te le dit, combien de temps dure un aller Terre-Mars? Ah, on parle de, pas de saison, mais comment il dit ça dans de le sol. Film c'est 4 de sol, ouais. Sol, ouais. De sol, c'est l'équivalent d'une journée. Et Matt Damon, il me semble qu'il est allé jusqu'au sol 450 et des poussières. Et Il y passe un an et demi, si j'ai bonne mémoire. Ouais. C'est vraiment un an et demi. Il me semble que le voyage, c'est 3 ou 4 mois de la Terre à Mars, je crois. Quand ils veulent envoyer un premier ravitaillement, je crois que c'est, ils disent, c'est 3 mois de voyage, je crois. Non, c'est beaucoup plus. Plus que ça. C'est beaucoup plus. On est quasiment sur une bonne année. Hein. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, ce qui n'est pas logique, c'est que le vaisseau de ses partenaires s'approche de la Terre, s'approche de l'orbite de la Terre pour faire demi-tour. Donc au final, ils auraient gagné de la vitesse, en fait. C'est au niveau de la gravitation terrestre. Oui, vas-y, on va prendre. En fait, ça fait 500. Il rallonge la mission de 580 sols, je crois. Donc jours, à peu près. Oui, oui, oui. Donc, faut convertir en mois après. Je vous laisse faire la conversion. Un peu moins de 2 ans, quoi. En tout cas, elle a galéré longtemps. Voilà. On peut s'accorder pour dire ça. Ça se ressent pas, le fait qu'il galère autant. Non, parce qu'il n'y a pas vraiment de repère temporel pendant le film. On ne dit pas, genre, 2 mois après ou machin. On te dit juste les jours en cumulé. Mais du coup, faut que tu t'amuses à faire la conversion, quoi. C'était peut-être une volonté de nous faire perdre des repères de temps aussi, ouais, pour sentir peut-être la solitude. Mais là où il arrive par contre à montrer le gros décalage, c'est quand tu vois Matt Damon amaigri quand il sort de la douche. Là tu te dis ouais, ok, ça fait un moment qu'il est là-haut et qu'il bouffe pas grand chose. Là tu te dis ouais d'accord, ok. Là, tu comprends, hein, ça fait longtemps. Mais bizarrement, ça l'a pas changé. En fait, là, pareil, je crois que cette scène, c'est un peu une référence à Seul au monde, lorsque tu as la grosse ellipse où tu vois Tom Hanks avec la grosse beubare et ainsi de suite. Mais contrairement à Seul au monde, dans Seul sur Mars, tu as l'impression que, ouais, bah en fait, il a juste maigri, sa barbe a poussé, mais sinon, il est toujours pareil, c'est toujours la même personne. C'est que contrairement à Seul au monde et Tom Hanks avait vraiment maigri, tu vois, il avait fait une cure d'amaigrissement pour tourner. Ouais, là, le film a été tourné en 27 jours et enfin voilà, c'est. Puis on peut se le permettre maintenant aussi. Peut-être que
pour seul, ouais, après, ça, seul au monde, t'avais peut-être moins possibilité de faire ce type d'effets spéciaux, peut-être. Ouais, mais, ouais, mais quand même, tu sais, pour là, pour seul sur Mars, ça crève les yeux qu'il y a un mannequin. Ah oui, oui. Qu'il y a un acteur qui a maigri et que c'est exprès pour ça, et voilà, on lui a greffé une tête de Matt Damon sur la gueule, mais... Mais... De toute façon, les plans où il y a. Mais c'est bien fait, c'est pas comme dans Fast and Furious 7, quoi. Valérian. Vous vous bloquez sur des détails, mais c'est fou. Mais est-ce que vous avez seulement été dans le film ? Moi, ça me tue, quoi. Est-ce que l'immersion a été bonne ? De temps et tout ça, mais comme si pendant toute la séance, vous vous étiez dit : oh là, il y a des problèmes temporels. Non, je suis d'accord, Valérian, ouais. Oui, c'est du ressenti, c'est de la sensation, ce film, surtout, je pense. Est-ce qu'elles ont été bonnes, ces sensations ? Dès le début, j'étais dedans, il n'y avait pas de souci. J'étais même surpris que Ridley Scott nous fasse presque perdre Matt Damon dès les premières 10 minutes. Je pensais que ce serait, tu vois, genre 20e minute, ou souvent, voilà, 20e minute, il y a quelque chose qui se déclenche. Là, c'est presque dès les 5-10 premières minutes, il y a déjà, l'équipe elle est déjà partie, quoi. Ouais, c'est pas comme dans on est surpris comme l'équipe par la tempête, en fait. De nous le faire aussi vite dans un film qui est plutôt classique. Après, ça permet d'avoir une plus grande importance dans la solitude du personnage principal. Si tu avais fait comme dans les 4 Fantastiques où le problème arrive à la moitié, voire aux 3 quarts du film, ça aurait été un peu casse-couille. Sachant que le film s'appelle Seul sur Mars, tu vois, si le mec arrive seul sur Mars, mais c'est vraiment la fin du film. Ouais, mais enfin, t'as 3 parties. Hein. Enfin, c'est Seul sur Mars, mais il n'y a pas que la partie Matt Damon. Enfin, non, bien sûr. Oui, oui. T'as 3 parties. T'as la partie Mark Watney, t'as la partie terrestre avec la NASA, et t'as la partie le reste de l'équipage, quoi, avec Jessica Chastain. Et ce qui est bien, c'est que ce qui se passe avec le vaisseau, c'est-à-dire l'identification au reste de l'équipe, il le fait pas au début. Il s'en fout au début. Ça reste presque des figures anonymes. Il le fait par la suite. Alors que d'habitude, on présente les personnages au début. Mais là, il va dire non, on va tout de suite. Placer l'enjeu pour lequel le spectateur est venu en salle, et après on développera les personnages secondaires par la suite. Mais t'en oublierais presque l'équipage. Pendant super longtemps, tu les vois pas. Et tu te dis, ah oui, mais c'est vrai, ils sont là, c'est vrai qu'ils sont cassés au début. Tu oublies presque ça, parce que t'en fais pas forcément mention tout le temps. C'est là que la narration est bonne, je trouve. Et au final, ça coïncide parfaitement avec le fait que... L'équipage n'est pas au courant, donc il n'y a aucun intérêt à les suivre et leur voir faire leur petite vie de train-train quotidien jusqu'à rentrer, parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et tu te concentres sur les personnes qui sont au courant et comment on va régler le problème, tu vois. Tu commences à les suivre qu'à partir du moment où ils sont au courant de la situation. Là, ils ont de l'intérêt, en fait. Ouais. Voilà. Et c'est bien parce qu'ils sont autant manipulés les personnages que toi, spectateur. Moi, personnellement, la tempête du début m'a autant surprise qu'eux, forcément. Le fait qu'on les oublie un petit peu, très bien, parce que c'est super pour la narration, et le personnage, quand il sait qu'ils vont venir le sauver, et même eux, quand ils apprennent qu'il est toujours vivant, ça marche parfaitement sur le spectateur, enfin, du moins sur moi, le spectateur, quand j'ai vu ce film. Au niveau de l'histoire, moi, je trouve que c'est parfaitement narré, en fait, c'est super bien narré. Je me suis pas ennuyé un seul moment, même sur des moments où, le voir en train de faire pousser ses petites pommes de terre... À vrai dire, sur le papier, je m'en fous complètement. Mais là, j'étais dedans. J'avais envie que ça pousse, j'avais envie que ça marche pour lui, avec son petit caca en train de balancer de l'eau, en train de faire ses petits trucs. Mais t'es avec lui, tu vois. Tu as envie de. Enfin, limite, t'as envie d'être en galère avec lui sur Mars. Enfin, je sais pas si vous avez eu cette impression. Il véhicule un humour de tout instant aussi. Ça permet de rendre le film très fluide en dehors de tous ces effets spéciaux et tout. Donc, cet humour, c'est aussi un point positif, quoi. J'avais presque envie de partir avec lui, quoi. Complètement. Mais ça, t'as l'impression que Mars, en fait, c'est easy. Non, mais c'est qu'il est en vacances, ouais. Ouais, il est en vacances, le mec. Mais en fait, ça correspond avec l'idée de la préparation du film. Quand Scott a demandé à la NASA comment sont recrutées les personnes et qu'est-ce qui se passe dans ces conditions, en fait, Matt Damon, il joue un personnage qui correspond parfaitement à ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas désabusé, il n'est pas super déprimé. Il a envie de vivre. Enfin, tu vois, quand il se filme sur la GoPro, super, il fait des blagues, il dit je suis meilleur botaniste du monde. Mais en fait, le film, la particularité, c'est pas super particulier, ça se voit plein de fois, il n'y a pas de méchant, quoi. C'est le méchant, on va dire, c'est la planète, c'est lui-même, tout dépend de lui. Ce qui veut dire que si tu avais des méchants, par exemple, tu pourrais voir le personnage qui aurait peur, qui dit mais tout dépend pas de moi, alors que là, ça tout dépend de lui et de la NASA. Le mec de la NASA, un peu quand même. Oui, la NASA, mais je veux dire, c'est des gentils pour vulgariser.
C'est ça que j'ai trouvé intéressant, cette impression de bah oui mais ça se passe bien, mais il fait tout pour que ça se passe bien, il faut qu'il soit heureux pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir vivre positivement, il a pas le choix quoi, il est tout seul, donc ça je trouvais ça cool quoi, ça donne à la fois une bonne ambiance au film et ça donne de l'intérêt à l'histoire. Et même Charles, les astronautes, ils sont entraînés pour avoir cette mentalité. Absolument. Parce que là, ils disent des voyages de plusieurs mois, mais il faut pas que les mecs ils pètent les plombs en cours de route. Les mecs, ils s'entretuent. Ils passent plus de temps à s'entraîner qu'à être dans l'espace. C'est normal qu'après les mecs, ils aient l'air vachement positifs, qu'ils voient tous les problèmes, tous les accidents comme des problèmes à résoudre et ça les stimule et donc ils deviennent assez optimistes. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu refusé le film parce qu'il n'était pas dramatique. Comme comment c'était Seul au monde ou là avec Franco qui est enfin c'est horrible ce qui se passe, mais parce que ce sont pas des gens communs, ce sont des gens surentraînés, peut-être les gens les plus élite, entraînés de la planète. C'est là où tu vois la différence avec Interstellar, où on envoie des idiots, une scientifique dans l'espace, mais au final t'as l'impression qu'ils sont même pas entraînés pour ça et il y a panique dès qu'il y a quelque chose. Mais c'est une situation d'urgence justifié dans le film qu'il soit pas entraîné parce que la NASA n'a c'était plus dramatique aussi Interstellar. Je sais pas pourquoi je confonds Interstellar avec Gravity, excusez-moi. Tu parlais, ça me faisait plus penser à Gravity. Gravity, non, elle arrive à s'en sortir. Non, mais elle est paniquée, elle part dans l'espace. Qu'est-ce que je fais? Bon, après. Tandis que lui, tu vois, il est censé être à peu près dans la même situation. De base, c'est pas un astronaute. Il a été entraîné pour faire ça. Et sa spécialité, c'est qu'il est botaniste, tout simplement. Mais Sex sur Mars, c'est un peu un Interstellar inversé. La situation, elle est pas urgente sur Terre. Ça se passe bien, entre guillemets. Il y a pas. On envoie des professionnels. Enfin, là, c'est vraiment le contraire. C'est l'extrême opposé. Là, on est dans d'autres dimensions, mais complètement. Et puis là, au final, à part Matt Damon. Au final, c'est pas la vie de toute une planète qui est en jeu, c'est la vie d'un homme, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, justement, coup, l'empathie, elle fonctionne bien. Mais l'empathie pour un garçon, elle fonctionne bien. En plus, c'est le héros de l'Amérique, c'est Matt Damon, il faut toujours le sauver, le mec. Ça marche super bien, on a l'habitude de voir galérer. Quoi. Mais ça marche très bien. Franchement, le choix de l'acteur, on en parlera plus tard, mais il est juste parfait, quoi. Enfin, tu peux pas faire mieux, là, sur le coup. Tu t'identifies facilement à lui alors que tu iras jamais dans l'espace et t'es pas botaniste, ça fonctionne parfaitement. Moi, le truc qui fait qu'on accroche bien à ce personnage, c'est qu'il est tout le temps positif. Aussi. Il dit pas oh là là, il m'arrive un truc et tout, il baisse les bras. En fait, c'est qu'il est, il a toujours envie de s'en sortir, peu importe ce qui lui arrive. C'est ça qui est intéressant avec le film aussi. C'est pas un scénario catastrophe quoi. Il arrive un truc et bah le mec et bah ça y est, bah il répare la porte et puis il va passer par la porte d'à côté et puis voilà et puis il continue son petit truc. Mais il rationne ses trucs, voilà, le mec qui est même dans la merde, il continue à espérer, à se dire, ouais, mais il y a toujours un moyen de s'en sortir. Ça fait pas un scénario à la con. Au lieu de se lamenter et de rester sur le problème, il va tout de suite chercher la solution. Mais vous voyez, moi je suis plus, moi, de ce ressenti-là, je le vois en même temps comme un point positif, on va dire, au niveau de la création du personnage, parce que résultat, dès les premières minutes, t'es tout de suite à fond avec lui. Mais dès le début... Tu sais qu'il va survivre parce que le caractère du personnage fait qu'il peut pas crever en fait, et moi je trouve que c'est vraiment dérangeant. C'est-à-dire que moi je trouve qu'il y a une vraie différence entre faire en sorte que ton personnage voit toujours le côté positif et aille de l'avant, et ton personnage dédramatise tout. Et je trouve que c'est un énorme défaut parce que il y avait ça dans Seul au monde justement, parce que dans Seul au monde le personnage aussi était positif quand il réussissait un truc, il était à fond et à chaque fois même si t'es dans la merde, à chaque fois même si tu voyais qu'il était pas joyeux ni rien, à chaque fois il se disait voilà il faut que je fasse ceci cela pour réussir. Il y avait toujours une part d'optimisme dans... mais dans Seul au monde c'était plus tragique aussi. Dans Seul au monde le point de vue était isolé et je pense ça joue beaucoup sur le côté dramatique. Ce qui fait qu'après, il fallait forcément rajouter de l'humour et rajouter de l'optimisme. Alors que là, par contre, dans Seul sur Mars, il n'y a aucune. On n'a pas cette sensation d'enfermement, puisqu'on revient tout le temps sur Mars. Il n'est même pas seul, en fait. Donc, et un autre point, voilà, il n'est jamais seul, ce mec. Le film s'appelle Seul sur Mars. Je suis désolé, il nous parle tout le temps face cam, même s'il parle au journal de bord de la NASA. Mais il nous parle tout le temps face cam. Il est constamment en train de parler à quelqu'un. Enfin, il n'est jamais seul, ce mec. Mais c'est le problème du titre français, ça, par contre. C'est le problème du titre français, mais c'est aussi un problème du film, je trouve. C'est vraiment le fait que... C'est surtout le côté médiatisé aussi, parce que dans Seul au monde, le mec, il est tout seul sur une île. Sur une île, bon, pour communiquer avec le monde extérieur, c'est un peu galère. Là, dans l'espace, c'est surtout technique, c'est-à-dire il y a ces sortes d'antennes... d'antenne relais et tout, c'est possible d'établir une connexion, mais je pense que ça vient surtout de là. Après, vu qu'il est tout le temps connecté et tout, c'est clair que
que on serait que pas pour ça, un peu chier. Strong, quoi. Si on avait vu que Matt Damon pendant 2 heures, on serait peut-être un petit peu emmerdé quand même. Bah oui, quand même, ouais, parce qu'il enfin, met un bon rythme, mais ça serait le vite monde, devenu plaisant. Le monde, il fait pas chier, le film dure 2h30. Hein. Non, le Muscle Monde, il est magnifique. Hein. Ouais, ah oui, oui, bien sûr, bien plus sûr. Plus de trucs, en fait, il y a un personnage secondaire qui n'est pas vraiment un personnage, par le biais de Wilson, du coup, il n'est pas vraiment tout seul non plus, en fait. Ouais, mais tu vois, c'est presque psychanalytique, cette manière de mettre une personnalité dans un ballon. C'est bien au-delà de simplement montrer le fait que le mec est tout seul et qu'il va rentrer une espèce de personnalité dans un ballon, c'était vraiment l'idée que tu avais un côté psychologique, ça permettait de donner du fond à la manière avec laquelle le personnage était abordé. Là, Matt Damon sur Mars, c'est bien, enfin non, c'est bien de le voir comme ça, mais moi j'avais la sensation que le film n'était jamais dramatique dans un sens. Je parle pas dans le sens où il doit forcément être pessimiste tout le temps, je parle dans le sens où c'est quand même un mec qui est seul sur Mars et qui va peut-être crever. Et, ouais, et surtout, ce qui est intéressant, c'est un film qui se passe dans l'espace, mais bizarrement, c'est un film où tu arrives à respirer. Quand, par exemple, dans Gravity, ou est-ce que tu regardes Gravity, ouais, ou Interstellar, tu as toujours cette impression. Il est plus souvent sur Mars. Oui, mais justement, il y a un truc ce que j'avais trouvé bizarre, c'est qu'en fait, ils ont oublié de parler de l'oxygène. Le mec, pendant un an, il a de l'oxygène à donf, et ça, aucun moment, il l'explique. Bah, il a des caissons, je pense. Il n'y a pas besoin de tout expliquer non plus. Oui, mais justement, c'est un peu facile. Une espèce de monoxygène, c'est plus important, en fait. L'oxygène, c'est... Est-ce que ça gâche le plaisir de savoir ça? Non, mais c'est important quand même. Ils en parlent de l'oxygène. T'as pas la tension de l'oxygène, mais... Ils en parlent de l'oxygène, parce que quand il fait l'état de ses réserves, il dit qu'il a à peu près 2 ans et demi d'oxygène, tu vois. Et au final, il reste 1 an et demi. Donc, t'as pas cette tension à te dire qu'est-ce qui se passe. Il aurait pu avoir une tension avec l'explosion, te dire qu'il y a eu de l'oxygène qui est parti. Du coup, il en a perdu un peu plus et tout. Mais au final, le film s'arrête sur ça et c'est pas plus mal, tu vois. Mais si le film te tient par la main, bon, au bout d'un moment, j'en ai marre. Oui, ouais. Tient par la main, un peu de mystère quand même. Et puis pour le fait que tu te sens moins, comment dire, tu suffoques moins, parce que effectivement, il y a des allers-retours sur Terre, alors que dans Gravity, t'es tout le temps dans l'espace. T'as plus de repères, tout bouge. Là, t'es sur une planète. De toute façon, c'était le but de Gravity. Hein. Là, dans Seul sur Mars, dans Gravity, qui l'est moins dans Seul sur Mars, c'est les sons. Parce qu'il n'y a pas d'air sur Mars. Donc, il ne devrait pas y avoir de son non plus. Donc, quand on entend la caméra qui bouge quand elle se déplace, on ne devrait pas l'entendre, logiquement. En fait. Bah, si, techniquement, il y a une atmosphère. Mais il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air. C'est l'air qui transmet le... C'est pas l'atmosphère qui transmet le... Nicolas, dans l'eau, il n'y a pas d'air. Pourtant, tu peux entendre des sons dans l'eau. Je mets une réserve dans l'eau, pour ça, parce que je pense qu'il peut y avoir quand même du son sur Mars. S'il y a une atmosphère, il peut y avoir du son. À la Terre. En fait, le son, c'est une onde qui se transmet par l'air, et par l'eau, c'est pareil. En fait, c'est la même méthode. L'eau transmet une onde. C'est ça, mais il y a des gages. Je vous propose d'appeler Jamy de C'est pas sorcier pour pouvoir nous aider. Tu sais que maintenant il a fait une émission qui s'appelle Le monde de Jamy. On aurait dû l'inviter en expert technique. Ouais. Moi je voulais demander, Valentin, tu trouvais qu'il y avait quoi? C'était quoi pour toi le principal défaut justement du scénario qui te. Je trouve qu'il n'y a pas. Comment j'ai dit ça? Je trouvais qu'on n'avait jamais la sensation que le personnage allait crever. Parce que on a il y a un rapport qui est assez particulier dans la manière dont il est créé, ce personnage-là. Et t'as la sensation que dès le début, il y a ça. Et en plus, je trouve que le personnage dédramatise tout l'ensemble du film. Mais pour moi, c'est justifié. C'est-à-dire parce que résultat, peu importe ce qui va lui arriver, t'as pas cette sensation, cette différence entre le fait qu'il faut toujours aller de l'avant. Et ça, vous avez bien fait de le mettre en avant. Mais il y a cet autre point où on a la sensation que peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe, le mec ne va jamais crever parce qu'il a la banane, parce qu'il fait rigoler tout le monde, parce que c'est un vrai comique, qui fait du stand-up. Tu viens de donner la réponse en fait dans ce que tu viens de dire, parce que le mec, il pense pas qu'à lui, il pense aussi à ceux qui vont le sauver. C'est-à-dire que si le mec il disait à la Terre « Oh là là, je vais pas bien, vite, sauvez-moi », non, ça va pas, ça donne une précipitation, ça donne une situation d'urgence, ça se trouve, il serait en train de se tenir les mains sur Terre, non, mais ça va pas pour lui. Justement, le mec veut laisser une bonne image pour montrer, il veut laisser une image d'espoir. Et je pense que c'est justement une énorme qualité, donc c'est dans l'écriture du personnage, dans le développement et dans l'écriture du personnage, message laissé. C'est pas le film. Si, parce que l'idée du film, c'est quoi? C'est un feel-good movie qui veut optimiste du début à la fin. Et l'écriture de ce personnage participe parfaitement au scénario qui se veut optimiste. Alors c'est sûr, ça peut en gêner certains, mais je prends ça pour une qualité justement.
Ah, mais c'est une qualité dans un sens. C'est un parti pris, surtout. Alors, Valentin, il voulait plus de tension, j'ai l'impression. L'écoute de son sur Mars, c'est possible, d'après ce que je lis. Par contre, ce serait des sons un peu étouffés parce qu'il y a vraiment, enfin, il y a pas beaucoup d'oxygène. Il y a trois fois la pression de la Terre. Exactement. Et il y a le gaz carbonique qui pourrait transmettre des sons, mais étouffés. Voilà. Et oui, Jamy. Et oui, Andy. Merci beaucoup. Voilà. Et par contre, les gars, faut qu'on parle d'un truc hein, au niveau du scénar, qui pour moi est peut-être le point le plus négatif du film. Putain, Iron Man. Iron Man. Ah, oh, mais c'est clin d'œil, ouais. Ça c'est pour le public un peu plus jeune. Non, clin d'œil, non. Non, mais pas que. Non, mais je vois ce que je vais entendre. Clin d'œil, oui, et oui. Sachant qu'il y a un acteur Marvel Studio dans ce casting, messieurs. Oui, non, mais oui. Mais. Oh, vous voyez le mal partout. En soi, en soi, je suis désolé. Ce moment-là, il m'a tué. Je suis désolé, ça arrive à la fin du film. Tu es en mode. Du film, qu'est-ce en fait. Que c'est que ce bazar, quoi. Le mec, il est en train de se percer sa putain de combi. Il a crevé le mec. Il avait ce choix-là aussi en même c'est temps. C'est un peu what the fuck, ouais. Ouais, c'est un peu. Alors, je suis tellement fort que quoi que je fasse, je vais réussir. Pour avoir demandé à des personnes qui ont lu le bouquin, dans le bouquin, il ne fait qu'évoquer cette idée-là. Visiblement, il me dit à un moment, je pourrais me faire un trou dans la combi et ça enlèverait de l'air et au moins je pourrais me balader. Dans le bouquin, il ne fait que l'évoquer. Puis en plus, dans le bouquin, t'as encore plus la sensation qu'il va crever parce que visiblement, c'est encore plus dramatique et c'est encore plus violent tout ce qui lui arrive. Mais je trouve dans le film ce moment-là, mais pour moi, c'était tout le long du film. On t'a mis en claustrophobie, on a essayé de te faire croire que le mec allait pas survivre et qu'il allait crever. Et à ce moment-là, j'avais l'impression qu'on ouvrait les Vélux, qu'on ouvrait les fenêtres, qu'on était en train de littéralement nous faire sortir complètement du film pour nous mettre un moment what the fuck où on voit Matt Damon en train de voler dans l'espace. Alors moi, c'est pas au moment juste où il l'a fait, c'est juste après qu'il l'ait fait. C'est-à-dire la première fois, tu sais, il perce le gant, il commence à partir en vrille dans le bordel et après, tu sais, il referme la main et ça s'arrête. Je me dis, en gros, il a essayé, il s'est foiré. Mais le fait qu'après il y arrive, il relâche le truc et après il y arrive, j'ai trouvé ça con. Mais tu vois qu'il l'ait essayé et que ça parte en vrille, tu vois, qu'il maîtrise rien, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Mais après qu'il arrive à le maîtriser, qu'il rejoigne le truc, non, c'était bon, en trop. Faut arrêter. Sérieux, quoi. Moi j'ai bien aimé. Hein. Je trouve que le film il commence comme il finit en fait avec une scène assez avec généreuse en fait. Hein. Je dis pas qu'elle a pas de défaut, mais c'est généreux quoi. Oh, c'est trop généreux. C'est Ridley Scott quoi. Moi je kiffe quand je vois des trucs comme ça, même si ça paraît con. Mais c'était presque épique pour moi quoi. Ouais, en plus. En fait, moi j'aurais trouvé cette scène-là ultra kiffante si le film se cassait pas le cul pendant 2 heures à essayer de nous pondre un truc réaliste. Mais désamorcé par des situations comiques et un héros qui essaie de désamorcer tout. Ultra réaliste. Et là, à la fin, ça sort complètement ultra réaliste. Je pense pas que la NASA irait sauver un de ses astronautes. Je crois que la NASA aurait étouffé l'affaire et l'aurait laissé crever. Hein. Oui, non, mais toi, non, Adam, non, tu crois qu'il y a conspiration américaine. Adam, il vit dans Interstellar. Adam, ça aurait été possible si c'était des militaires, sauf que c'est pas des militaires, c'est des civils. Donc forcément, de ce principe-là, et non, c'est ouais, pas ils sont obligés de faire quelque chose. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que ça coûterait énormément d'argent. Enfin, si c'est possible, hein, tout ça, ça coûterait énormément d'argent. Je pense que ça mettrait en faillite pas mal de pays. Exactement. Exactement. Juste pour refaire l'émission, pour aller chercher quelqu'un. C'est intéressant. Temporalité dans le film. D'ailleurs, en parlant de pays, j'ai toujours pas compris ce que venait foutre la Chine dans l'histoire. On est gentil. C'est pour montrer l'unité du monde. Ils parlent d'un projet qu'ils ont pas envie de révéler. C'est l'espèce de fusée qu'on voit à la fin qui est lancée de Chine. Le film est à moitié raciste. Mais ils l'assument pas complètement. C'est-à-dire, ils disent, ouais, les Chinois, c'est des fourbes, ils construisent des fusées dans leur coin, ils nous le disent pas. Mais non, c'est pas que le film se veut raciste, c'est que surtout, il y a toujours une rivalité entre la Chine, qui est une puissance émergente, et les États-Unis, quoi. Nous, on est chinois, on est gentils. Non, alors, attends, vous êtes ultra pessimiste. Adam, il m'énerve. Adam, ce film, tu fais comme tous les critiques français de merde, tu dis que c'est un film pro-NASA, en gros, qui fait des fleurs à la NASA. Mais non. Au NASA, non, mais ça donne cette image. Je dis pas que le film c'est une propagande de la NASA. Non, c'est juste que à mon avis, c'est Ridley Scott, il a voulu rendre la NASA ainsi. Et à mon avis, c'était aussi. Laisse-moi finir. C'est en fait Ridley Scott voulait montrer. À mon avis, ça se passe dans le futur et voulait montrer un monde dans lequel
où tout le monde est gentil, où tout le monde est Mais c'est pas une question de gentil méchant, les mecs. Tout simplement, dans n'importe quel commerce, quand tu as des technologies, les entreprises, les pays partagent pas forcément leurs technologies avec d'autres pays, tu vois. Ce qui est normal. Parce qu'il y a forcément des retombées scientifiques par la suite, des missions qu'ils vont faire. La Chine fabrique leurs trucs de leur côté, la NASA font pareil. Est-ce que la NASA partage certains trucs avec d'autres pays? Sûrement peut-être pas. Oui, mais pas leur découverte majeure, tu vois. C'est pareil des deux côtés, hein. Faut pas mettre d'un côté ou de l'autre. C'est exactement la même chose. Voilà, c'est ancré dans la réalité, dans un pays, que soit une entreprise automobile ou la NASA, qui pour moi c'est une entreprise, c'est pareil. T'as des découvertes technologiques, tu les partages pas avec les autres. Tu les gardes pour toi jusqu'à ce que t'aies un intérêt pour les partager. Tant qu'il n'y a pas d'intérêt, tu les gardes pour toi et tu l'utilises pour toi. C'est normal. Voilà, c'est pas utopiste. La Chine, son intérêt dans le film, c'est que d'un côté, ils vont perdre le fait qu'effectivement, ils avaient le secret par rapport aux Américains de leur projet. Et par contre, l'intérêt, c'est qu'effectivement, ils vont pouvoir avoir l'aide des États-Unis sur peut-être un projet futur parce que il leur enfilait un coup de main, tu vois. C'est ce qu'il dit c'est à double tranchant. C'est soit on prend le risque effectivement de dévoiler un truc secret, mais de l'autre côté, voilà, on peut avoir des retombées assez intéressantes parce qu'ils sont plus développés que nous. Et la NASA a besoin de la Chine. Même si c'est un peu utopiste, au fait que tout le monde est concerné, le monde entier est concerné par le fait qu'il y a un mec paumé tout seul sur Mars, tu vois. C'est le destin d'un homme, quand même, qui est perdu sur Mars. C'est ça qui nous intéresse. Et d'un terrien, pas d'un américain. Il y a un truc qui est assez intéressant tout au long du film, et ils le disent eux-mêmes, c'est genre, ils doivent garder justement cette info, le fait que le mec est seul sur Mars, pour que ça soit tout le temps d'actualité, parce qu'à un moment, t'as un mec qui le dit, que si on en arrête d'en parler, ainsi de suite, les gens s'en battront complètement les couilles. Et ça se voit même aujourd'hui. Hein. L'un des gros exemples que j'ai, c'est Charlie Hebdo. Là, tout le monde s'en bat les couilles en ce moment. C'est pas un bon exemple, Charlie Hebdo. C'est pas du tout un bon exemple. Non. Je suis désolé, mais c'est pas la même chose que tu essayes d'exprimer. C'est national, Charlie Hebdo, et là, par contre, c'est international. Ouais, mais ça marche pour les deux, franchement. Non, mais ce qu'il faut te dire, c'est Adam, c'est un film qui parle de ça, d'un mec seul sur Mars. Nous, dans la vie actuelle, t'as plein d'informations qui sont véhiculés par la télé, la radio, ça défile tout le temps. Alors oui, tu as des trucs qui restent pendant 3 semaines, on t'en parle, mais tu as tellement d'autres informations qui arrivent que, bon, bah, au final, c'est un peu oublié pour laisser place à de nouvelles informations. Là, tu es dans un film, on ne va pas se casser la tête à te dire « Ah oui, il y a eu un tsunami au Japon, vas-y, on oublie Seul sur Mars, on va parler d'un tsunami. » Le film s'appelle Seul sur Mars, donc les informations qu'on va te montrer, on va essayer de faire une cohérence. Oui, non, mais ça me dérange pas, c'est juste que je dis dans la réalité ce que ça aurait donné. Moi, je dis pas que c'est un défaut dans le film, ça, c'est le film, il veut comme ça, et c'est bien, c'est un parti pris. Moi, respecter la diégèse du film, faut pas forcément que coller à notre réalité. C'est même pas important. Je suis allé voir un film pour être diverti et pour qu'on m'envoie sur Mars avec un mec en galère. Je m'en fous des Chinois, pas des Chinois. C'était humaniste, c'était peut-être un peu naïf, mais ça fonctionne, quoi. Enfin, je sais pas, c'est. En tout cas, ce qu'il a voulu faire, Ridley, c'était faire l'aspect divertissement. Ben oui, Ridley a voulu faire un film positif, cool, avec une bonne sensation, qui après la séance te reste quand tu vas rejoindre ta voiture pour rentrer chez toi. Ben pour moi, c'est réussi. Et en plus, il se fout pas de ta gueule, quoi. Enfin. Par rapport à ce que disait Valentin sur la fin, en fait, Ridley Scott, de manière générale, c'est vrai qu'il fait des films ultra pessimistes, ultra dramatiques, super profonds, Blade Runner, Alien, enfin tous ces films. Oui, mais après, même les derniers. Que là, dans ce film, justement, il s'est gâché. Il nous a bon, c'est pas lui qui a fait le scénar, c'est God. Enfin, j'allais dire Jean-Hugues Godard. Si, Godard. J'ai cru qu'il allait dire c'est Godzilla. Godzilla, c'est un scénario. Bref, là, Scott, on sent que quand il a travaillé avec son scénariste, que là, à la fin, bon, il est peut-être pas super habitué à faire des films comme ça aussi joyeux, entre guillemets. Scott, c'est pas non plus celui qui fait des super comédies ou quoi, c'est pas son registre, mais c'est un bon réalisateur de manière générale, c'est un très bon réalisateur, donc il est capable de faire ça. Mais quand tu vois la fin, tu te dis, hey, peut-être que finalement, bon. C'est trop lâché. Ouais, il s'est lâché sur des choses où il fallait. C'est vrai qu'à la fin, je rejoins un peu Valentin. C'est vrai que bon, Iron Man, c'est rigolo, mais c'est un peu what the fuck.
Ah oui, c'est marrant, on va pas se plaindre. Enfin, non, 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 c'est rigolo. Ouais. Bon, moi, ce qui m'a plus choqué, c'est le fait qu'il porte la tête d'une fusée de plus de 500 kilos et qu'il la pousse et qu'il la fasse tomber dans une fusée. Alors, ça, alors qu'il est complètement mort à moitié. Oui, en plus, il a maigri, il est affaibli, mais non, il peut, c'est possible. Et pour reprendre l'exemple d'Interstellar, Interstellar, on a reproché à Nolan de « Oh, il explique tout, oh là là, c'est chiant. » Ultra réaliste. Bah oui, mais sauf que Nolan nous explique des choses où on a besoin de savoir. Ouais. C'est à la fois un réalisateur qui ne nous tient pas par la main et un réalisateur qui explique tellement de choses que c'est peut-être abondant, mais on en a besoin. Et là, dans ce sur Mars, Scott, qui a dit non ? Ben, moi, je trouve pas ça que dans Interstellar, il n'y a pas besoin de tout expliquer. Il y a certaines choses, c'est pas la peine, laissez-nous un peu le mystère, comme par exemple le fait de, du trou noir. Pour moi, c'est un truc, ça aurait pu rester. Non, mais ça, c'est, ça... Et après, ça, c'est un peu, c'est un peu le truc phare de Interstellar, l'explication du trou noir. C'est le truc que tout le monde rêve de savoir. Alors lui, il donne son point de vue. Bah oui, c'est faut l'expliquer. La théorie du trou noir. J'ai l'impression que Seul sur Mars, c'est plus de la sensation. Feel good movie, c'est la sensation de cool. C'est du divertissement proprement parlé. Est-ce que vous l'avez ressenti ? Oui ? Non ? Enfin, je sais pas. Moi, je l'ai ressenti, donc pour moi, ça a fonctionné. Après, je peux comprendre qu'on n'adhère pas et qu'on rentre pas du tout. Bah, c'est sûr que si tu rentres pas dans l'aspect, il y a eu une tempête, le mec, il est en galère et t'es déjà perdu, t'as pas accroché au délire du garçon, tu dois te faire chier pendant deux heures. Mais si tu rentres là-dedans, moi, pour moi, c'était un plaisir pendant deux heures. Moi, j'avais envie de manger des pommes de terre après, mais je te dis pas, j'avais envie de... Avec des pommes de terre sautées, mon gars. De chier dans des champs ou pas ? De chier dans les champs pour faire des pommes de terre. Alors, c'est vraiment que ça t'a beaucoup plu. Ah oui, alors par contre, j'ai un pote qui m'a expliqué ça. Normalement, tu bouffes des patates avec ton caca, tu meurs. Ah bon ? Parce qu'il y a tellement de bactéries dans ton... la pomme de terre, c'est un aspirateur à merde de tout ce qui se trouve dans la terre. Donc, résultat, normalement, il bouffe ses patates comme ça, le mec meurt au bout d'une semaine. Et pourtant, il est botaniste, c'est inquiétant. Mais, ouais, mais après, ce qu'il récupère dans la fosse à caca... elle a l'air d'être traitée, voilà, c'est du compost. Ouais, mais c'est vraiment tu vois, dans le bouquin, c'est du caca de Jessica Chastain, je pense que c'est de la qualité. Ça se mange. Nature, ça se mange. Nature, pas de sel. Est-ce que vous avez fini sur le scénario ? Quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Non. Très bien. Non. Donc on va passer sur la réalisation, effets spéciaux, tout ça. Et je vais donner la main à. Non, on fera après. Okay. Valérian, parce que Valérian n'a pas beaucoup parlé à la fin. Donc, t'écoutons. Moi, ce que je trouve ouf, c'est que le mec, il a quand même utilisé de la GoPro. C'est-à-dire que le mec, contrairement au beat, il avait des énormes fichiers en RAW là, de RAID et tout ça, et il avait de l'H264, les trucs de nos caméras à nous, pour faire du montage. Non, mais en termes techniques, je trouve que c'est fou, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on pense tout de suite, oui, il faut de la super définition et tout ça, il faut des fichiers les plus lourds, les plus définis et tout ça. Et là, il l'avait quand même, j'avais lu 140 heures de GoPro à monter. Même, c'était un petit peu moins de la moitié des fichiers RAID en termes d'heures pour le film, pour l'intégralité du film. Il avait énormément de GoPro. C'est fou. Je trouve que c'est un parti pris qui est super couillu. D'ailleurs, il l'avait aussi refait pour, Prometheus. Je crois aussi qu'il y avait des caméras là sur les combinaisons des gars. Ah, oui, sur les combinaisons, c'est vrai. Mais je trouve que c'est une excellente utilisation des nouvelles technologies actuelles pour les retravailler pour faire le film. Le monsieur à quel âge, s'il vous plaît ? Plus de 70. Et vraiment, je trouve que c'est beau. À cet âge-là, remettre en question des techniques, toujours vouloir chercher, aller. C'est un mec qui n'est pas devenu has-been. Exactement. Et ça, c'est important à mettre en valeur. Hein. Et pourquoi est-ce qu'il a utilisé des GoPro ? C'est parce qu'il y avait le côté journal intime, il fallait qu'il se filme. Donc, là, la justification de la GoPro était excellente et super bien utilisée. Parce qu'il l'aurait fait gratuitement. C'est sûr. Charles, il aurait pu prendre de la RAID et la downgradée. Oui, pas besoin d'utiliser la 4K pour faire mais il aurait pu pour avoir une ligne et mieux contrôler la qualité de son projet, mais il a préféré quand même utiliser de la GoPro. Mais c'est un mec la GoPro fait de la 4K, donc... Voilà, c'est un mec expérimenté et ouvert. L'H264, c'est pas la même chose que du RAW, hein, en termes de codec, oui, non. Bah oui, c'est sûr. Oui, en termes de codec, mais visuellement... Oui, ça reste quand même qualitatif. Pour vraiment voir la différence aussi. Oui, mais là, on parle quand même de format de projection. On ne parle pas de 1080 sur Internet.
Oui, c'est en cela que c'est intéressant. Je veux dire, même les trois, enfin, peut-être pas les trois quarts, mais la moitié des cinémas en France n'utiliseront même pas la moitié de la qualité que lui il a utilisé pour faire le montage. De toute façon, il y a des cinémas où je suis passé, tu vas le regarder, que ça soit tourné en 4K ou pas, tu verras pas la différence parce que le cinéma il n'est pas équipé pour le diffuser de toute façon. Donc est-ce que ça, on a vraiment besoin d'avoir des films hyper pointus pour l'avoir dans la globalité des cinémas en France? Je suis pas sûr. Faut vraiment être cinéphile, passionné, vraiment à fond, avoir un bon cinéma pour vraiment apprécier ce genre de film où effectivement le mec il va vraiment aller au bout de sa démarche d'utiliser de ce qui se fait de mieux en termes d'image, de codec et tout. Là, moi, je suis allé le voir en IMAX. Effectivement, c'est joli. J'aurais été le voir dans mon cinéma dans le Limousin. C'est clair que j'aurais pas kiffé de la même façon, hein, très clairement. J'aurais certainement vu la différence. Mais là, effectivement, en IMAX, on voit très bien la qualité visuelle. Et pour moi, de toute façon, ce film-là, ça va être avec, je pense, Star Wars 7, un des plus beaux films visuels de 2015, très clairement, et peut-être même de ces dernières années aussi. Je le mettrais même devant Interstellar personnellement, mais après ça reste que mon avis. Bah après visuellement, à part les scènes sur Mars et encore c'est, je crois que Mars on voit la moitié du film parce qu'il y a quand même beaucoup de passages qui sont filmés sur Terre. Même je crois que pendant un moment il y a genre pendant 20 minutes on est sur Terre, on oublie complètement Matt Damon. Hein. Non, tu l'oublies pas, mais tu le vois plus. Non, c'est tu vois plus quoi. On l'oublie pas parce qu'on n'arrête pas de parler de lui. Mais ouais, c'est comment dire. Ouais, enfin ce qui est intéressant c'est la répartition entre des passages, c'est-à-dire qu'on va pas faire par exemple 10 minutes Mars, 10 minutes Terre, 10 minutes vaisseau. Non, c'est irrégulier et ça a un sens. Le rythme est super bon. Enfin, je sais pas vous. Et la réalisation, aide à ça aussi. Hein. Oui. Bah, c'est le maître, c'est le chef d'orchestre. Hein. Donc, je compte sur lui pour te faire un film qui a le rythme bon, que tu t'ennuies. Si tu dois t'ennuyer, c'est parce que c'est voulu et que ça va dans l'histoire. Si tu dois avoir un moment où ça accélère, c'est que c'est voulu aussi dans l'histoire. Si c'est pas le cas, on a un problème de rythme. Mais c'est pas du tout le cas. Les passages Mars Terre avec un petit peu sur le vaisseau. Ça se tient et ça reste logique en plus dans la narration et dans ce qui se passe et les éléments qui nous arrivent face aux yeux. Enfin, c'est juste parfait. Quoi. On parle quand même d'un mec qui a fait Blade Runner, Alien, plaisir. Le Gladiator. Voilà, c'est pas n'importe qui. C'est pas un petit joueur quand même. Le seul bémol que j'ai au niveau réalisation, c'est la caméra visible quand il est en train de faire son potager. T'as une caméra, une grosse caméra, tu vois une caméra, tu la vois, en fait t'as un changement de plan d'angle quand tu le vois faire son potager, il y a une caméra qui le suit lui, après t'as une caméra qui est censée être une sorte de caméra de surveillance qui le filme, et t'as une autre caméra, et à un moment quand t'as un changement de plan, ça dure une demi-seconde, mais tu vois une caméré au fond posée sur un gros carré noir. Un reproche à faire aussi, il y a un faux raccord, la première fois où il rentre dans le pod, il enlève sa cagoule, et en fait tu regardes les cheveux, ils ont pas la même coiffure. Ouais, c'est fréquent. Parce que ça vous a gâché votre séance. Et tu regardes un film de Scorsese, il y en a tout le temps. Hein, donc ouais, c'est ça. Mais un truc assez intéressant, c'est que quand le film a été réalisé d'une façon tellement réaliste, via justement cet aspect un peu documentaire, avec justement cette caméra à la main et caméra épaule, c'est-à-dire à certains moments, t'as vraiment l'impression qu'il y a une deuxième personne avec Matt Damon quand il le suit à certains moments dans sa petite base. Ça bouge, c'est. C'est très 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 actif, et justement c'est à mon avis c'est pour ça qu'il y a autant d'Américains. Bon, après les Américains c'est pas des cuits de science, ils ont cru que le film a été vraiment tourné sur Mars. Ouais. Non, moi ce que j'ai entendu c'est que le film est tiré de faits réels. Ça m'étonne pas parce que on est 3 millions à y voir Aladdin, donc bon, faut relativiser quand même. Ouais, non, mais après ça m'étonne pas qu'autant d'Américains ont cru que c'était réel, parce que justement grâce à la réalisation, ça c'est des trucs qu'il faut pas oublier. Hein. C'est au-delà du film, ça. Après moi, côté immersion, moi je l'ai trouvé au contraire. T'as vraiment l'impression qu'il est tout seul, parce que t'as beaucoup de plans de caméra, GoPro, quand il parle, les plans de caméra de surveillance quand il fait son potager, ça fait un peu. Comment je dirais ça, ça fait un peu
Merde, super mémo, Secret Story, tout ça. Télé-réalité. Oui, télé-réalité. Voilà, merci. Ça fait un peu télé-réalité. T'as l'impression de le suivre dans son quotidien, mais il est tout seul, tu vois. Nous, on le regarde, on est les spectateurs, on est impuissants, et on suit. Mais t'as pas le côté voyeuriste putassier comme on pourrait avoir dans les enjeux de la télé-réalité, tout ça. Mais c'est intelligent de l'avoir filmé comme ça, parce qu'on en a eu combien des films dans l'espace ou dans des endroits clos où en fait. tu le suis pas à la première personne mais voilà t'as pas d'interaction avec le personnage. Bah, Europa Report. C'est filmé, voilà, t'en as plein des films comme ça. T'as Moon, t'as Oblivion, enfin ouais. Voilà, des films un peu dans l'espace, de ce type de trucs comme ça, je veux dire, t'en as plein, et ça aurait été un énième film où en fait tu suis un mec perdu tout seul qui a pas beaucoup de contacts. Là je trouve c'est assez bien d'avoir d'un côté le fait qu'effectivement tu le vois faire des choses, mais de l'autre côté qu'il te parle plus ou moins directement. Je trouve qu'effectivement ça amène un peu plus de légèreté dans le film, sinon il aurait vraiment été trop pesant, ça aurait fait Gravity quoi en fait. Bah, dis-moi un film qui est vachement pesant pour moi et qui décrit un peu ce que tu dis, c'est Buried. Pas vu, ça me dit rien. C'est avec Ryan Reynolds, le garçon enfermé dans un cercueil au milieu du désert. Voilà. Et en fait, tu restes dans un cercueil pendant une heure. Ah ouais, il est excellent celui-là. Mais regarde, Sock sur Mars par rapport à Moon ou quoi, tu as des. Ou même Europa Report, on sait. On connaît le contexte, on sait que Matt Damon, la seule façon qu'il a de s'en sortir, c'est d'être sauvé par son vaisseau, de ses coéquipiers. Et on sait qu'il n'y aura pas d'autre, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas autre chose, contrairement à Europa Report où il y a des choses qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Alors que là, dans Sock sur Mars, tout est connu. Ça peut être notre monde, ça peut être nous. Je veux dire, t'as pas un monstre de l'espace qui va venir te buter comme dans Star Wars. Là, tu sais très bien que ça ne dépend que de ça. Et tu vois très bien que la seule trajectoire qu'il peut avoir, c'est ça. Et c'est pour ça que tu dis, bon, en fait, t'as pas à t'inquiéter pour lui. En fait, oui et non, parce que la seule trajectoire, c'est que quelqu'un vienne le chercher, mais après, c'est la manière dont on va venir le chercher qui va changer plusieurs fois dans le film. C'est-à-dire qu'au début, il sait qu'il y a une mission qui doit venir dans 3 ans, 4 ans, je sais plus, qui va se poser à tant de kilomètres de la base. Du coup, il commence à chercher la solution pour comment faire pour me déplacer aussi loin, comment je fais, ainsi de suite, ainsi de suite. Et au final... Tu t'inquiètes pas pour lui parce qu'il a prévu sa trajectoire, il prévoit le truc, il est intelligent. Ouais, il calcule. Ouais, il fait des calculs, donc bon, c'est ça, c'est le côté ultra prévisible du film, mais qui est voulu, bon, c'est pas réellement un défaut, c'est juste que bon, c'est loin d'être original ce côté. Après, on est content que ce soit un feel good movie, donc si c'est un feel good movie, t'as pas vraiment d'inquiétude pour le personnage, sinon c'est plus un feel good movie, tu vois. Oui, c'est ça, oui. Ouais, voilà. C'est ça, le but du film, c'est te faire un film sur un gars qui est paumé dans l'espace, mais que ça soit divertissant, que tu rigoles, enfin voilà, c'est bah, il est sur son terrain de jeu, quoi. On dirait presque que c'est une cour d'école pour lui, presque. Ouais, c'est, enfin, j'exagère, mais c'est contradictoire, tu vois. Moi, t'es dans une situation très périlleuse, et ben non, on vit ça normalement, on s'amuse, voilà. C'est pour ça, on peut pas dire que c'est un défaut, puisque c'est un parti pris et c'est ce que veut te montrer le film. Oui, c'est la volonté de Ridley Scott sur le coup. Hein. Ouais. Par contre, est-ce qu'il fait après, je sais pas si c'est un film que lui a voulu faire ou c'était une commande, mais. Pour moi, c'est une commande. Je crois qu'il a récupéré. Non, il s'est greffé au dernier moment sur le scénario. Mmh. Ah, sur le scénario. En tout cas, le budget est confortable. Hein. 108 millions de dollars, ça va, il y a mieux. Hein. Et il a rapporté. Hein. Mais en plus, il est rentable. Ouais. Et il filme magnifiquement Mars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau réalisation, comme il te filme. Jordanie. Ouais, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est se passer en Jordanie. Et on y croit. Enfin, moi, personnellement, j'y ai cru. Franchement, après, je sais pas à quoi ça ressemble, mais quand même. Oui. Et certains Français, hein, parce que dans le cinéma où je travaille, il y en a quand même un que j'ai entendu après avoir déchiré son billet pour qu'il aille en salle, qui croyait que c'était une histoire vraie, issue d'une histoire vraie, hein, quand même. J'ai pas osé le reprendre. Je l'ai dit, vas-y, va le regarder. Ah, tu aurais gâché son plaisir. Ça se trouve, oui. Il a encore plus vécu le film que nous, en fait, parce qu'il y a cru. Oh là là, il y a vraiment un mec, il a fait tout ça. À chaque fois qu'il va manger des patates, il va dire putain, le mec, il a galéré, il a mangé ça pendant des années et tout. Mais la réalisation est bien. Non, et même les effets spéciaux aussi, hein, ils sont quand même assez impressionnants. Ça fait pas genre vieux montage. J'ai envie de dire, c'est Ridley Scott, les mecs. Hein. Enfin, c'est plus une surprise que ça soit propre visuellement. Ouais, moi, le seul dommage, ça revient, je repenche un peu sur le scénario, mais ouais,
C'est en fait, t'as l'impression que le Chatterton, c'est la solution magique à tout en fait. Mais c'est mec, la vie. Alors c'est pas du Chatterton, c'est un espèce de scotch aluminium. Ouais, c'est du scotch que tu utilises pour les fuites type fuite d'eau, fuite de gaz. Enfin c'est voilà. Ouais. Mais le mec, c'est la solution. Duct tape, mon gars. Il a un trou. La dans solution à tout. Ça bouge. Duct tape. Ça bouge pas. Pas besoin. Il a un trou dans sa base. Il met du Chatterton. C'est en fait voilà. C'est il a un trou sur son scaphandre. Il met du Chatterton. Ouais c'est ça. Oh, c'est ouais. Réducteur tout ça. Ouais, non, mais c'est. Mais non, mais c'est justement. C'est... En plus, c'est intéressant parce que le mec, à partir de rien, c'est vraiment. Quand tu regardes, il fait pas des trucs de. Il fait... Enfin, si, quand même, pour la plantation des patates, à mon avis, à part lui, personne d'autre aurait pu le faire. Mais le coup du mettre du scotch sur son scaphandre, ça, c'est un truc que tout le monde aurait pu faire, tu vois. Ça lui donne oui, plus un côté d'un gars normal, tu sais, parce que le mec, il avait pas trop le choix. Il a pas trop le choix, c'est soit ça, soit il meurt. Oui, mais il faut pas oublier que c'est un mec ultra intelligent, voilà, c'est un mec qui a fait des études, enfin, c'est un QI de science. Mais pourtant, quand tu regardes, t'as plus l'impression que c'est un mec lambda, tout à fait normal, qui. Voilà, ça, quoi. C'est pour servir l'empathie du personnage chez le public, pour que tu puisses t'identifier un minimum. Ah oui. S'il est trop perché, le mec, déjà que le film, avec le manque de tension parfois, t'en aurais encore moins à faire de son destin. Quoi. Parce qu'il est drôle, tu t'identifies. En plus, il est drôle, donc ça pourrait être ton pote. Peut-être pas tout Adam, parce que c'est vrai que toi, t'es pas drôle, mais tu peux pas. Je lis un truc, c'est qu'en fait, le scotch qu'on voit dans le film, en fait, il est employé par la NASA officiellement depuis les années 60, en fait. Sur toutes c'est les missions. Scotch de merde. Voilà, mais elle est validée par la NASA. Il faut pas oublier que la NASA a apporté beaucoup d'objets du quotidien chez nous, comme le frigo ou plein d'autres trucs encore. Non, mais, tu regardes, je regarde, c'est l'article officiel Wikipédia sur le duct tape, donc le scotch, machin. Il y a une photo d'un garde-boue fabriqué vite fait à l'arrache pour Apollo 17 qui tient avec du scotch. Hein. Voilà. Donc ce qu'il y a dans le film, c'est possible. Après, qu'il faut se dire, Adam, c'est que toutes les innovations technologiques qu'on a, enfin techniques ou technologiques, ça vient soit de l'armée, soit de l'espace. Ouais. L'armée et la NASA, c'est étroitement lié, tout de même, on va pas se leurrer. Donc bon, c'est pas étonnant. Ça. Oui. Le contreplaqué, par exemple, un truc super con, ça vient de l'armée, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que Scott, il varie sa réalisation, mais il n'avait pas besoin de faire des trucs comme dans Interstellar, quoi. Enfin, et sur Terre, bah voilà. Non, puis de toute façon, il aurait perdu beaucoup de public à vouloir mélanger le côté humoristique, feel good, avec un truc vachement poussé. Dramatique. Par contre, alors je sais pas si vous avez ce ressenti, mais moi sur ce film, j'ai pas vu de plan extrêmement putassier comme dans Exodus ou Prometheus, où t'as des plans avec des trucs qui tombent, les machins. Moi j'en ai vu un quand même, c'est dans le vaisseau, là, quand il décolle. Quand il décolle dans son morceau de vaisseau là pour rejoindre l'équipage là, quand il y a ce moment circulaire là autour de Matt Damon avec ses tremblements, avec les bruitages derrière, etc. Au contraire, moi j'ai trouvé que c'était une scène particulièrement prenante quoi. Moi du coup je vais vu qu'on est dans la réalisation effets spéciaux, moi j'ai vu le film en 4D. Alors là, déjà il y a la 3D avec les lunettes, mais avec les espèces de sièges qui font maintenant qui bougent. En fonction de ce qui se passe dans le film, puisque ce film-là avait cette option-là. Et la 3D, déjà, elle n'est pas trop mal. Bon, je ne suis vraiment pas fan de la 3D, mais bon, là, ça ne faisait pas la vieille 3D comme dans certains films, La Légende d'Hercule, où il te balance un bon coup de 3D dans les 5 premières minutes, après, tu n'as plus rien du tout. Là, t'as souvent des trucs au premier plan, tu vois la différence de profondeur avec certains éléments à l'écran. Et par contre, la 4D, bon, ça reste un peu un gadget, ça coûte cher. Il faut rajouter 6€ pour la location du siège sur ta place de ciné. Ah ouais, quand même. Genre là, par exemple, deux places de ciné, c'est 36€. Hein, voilà. Donc, oh, putain. 38, ça fait 19€ la place, puisque tu as le film, la 3D et la location du siège. Tout ça pour un fauteuil qui te masque les hémorroïdes. En même temps, je suis allé le voir au Disney Village, donc c'est pas forcément le moins cher. Ah, mais t'es suicidaire, toi. Ah ouais, mais il y avait en IMAX et tout. Voilà, j'étais pas loin, je me suis dit, allez, on se faire plaisir. Question, est-ce que pour vous, mis à part Interstellar, espace égale 3D? Parce qu'il y a des plans circulaires. Ben là, non, mais par rapport à Seul sur Mars et à Gravity, tu as des plans extrêmement circulaires où tu as des objets qui bougent et tout, qui passent dans la caméra. Tu te dis, bon, la 3D à ce moment-là, c'est facile à mettre en place, tu vois. Donc est-ce que pour vous,
espace égal 3D ou vraiment... Oui, ça... si, il est filmé en 3D. Pas ouais, si c'est mais de même la conversion. Pas, tu vois pas forcément, quoi. Il n'y a pas besoin de la 3D. Enfin, Interstellar, non. Il n'était pas en 3D, quoi. Ouais, mais Interstellar, il n'y avait pas besoin, ça. Ouais, mais Interstellar, ouais, mais si aussi, c'est Christopher Nolan, tu vois. 3D, je veux dire, le mec, il a la pellicule. Mais ce que je veux dire, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'un mec qui va faire un film dans l'espace, maintenant, il va se dire, ouais, il faut que je le mette en 3D, c'est obligatoire. Bah, en fait, c'est le problème du vide spatial. C'est-à-dire que c'est la solution de pas de facilité, mais ça permet de faire ressortir forcément ta situation. Enfin, dans Gravity, la 3D, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, la 3D de Gravity, elle est juste géniale parce qu'elle joue avec la profondeur. T'as vraiment la sensation qu'il y a un vide intersidéral derrière. Tous les c'est le problème de Gravity. Gravity, si t'as pas la 3D, il y a un intérêt qui s'amoindrit énormément. Oui, mais pour autant. Je veux dire, même le scénario, enfin tout ensemble. La 3D, c'est une attraction, ce film. Il y a eu les Oscars techniques, d'accord, mais c'est tout, quoi. Enfin, si t'aurais vu la technique, ce film, il reste pas grand chose. Si je trouve. Tu te calmes. Mais moi, je dois avouer. Charles, tu t'es fait j'ai bien kiffé. En 4D, j'ai bien kiffé. Bon, les sièges, c'est pas encore un truc énorme. Est-ce qu'ils ont fait Love de Gaspard Noé avec les fauteuils hein. Oh, ça devait être vachement bien, franchement. Non, mais franchement, les scènes où ils sont dans la tempête, tu vois, t'as le siège qui se met à trembler. Ça t'immerge un petit peu plus dans le truc. Et par exemple, toutes les scènes où ça va être des points de vue aériens quand il roule avec le rover, par exemple, là, t'as ton siège qui va faire gauche, droite, avant, arrière, mais tout doucement, tu vois, comme si tu étais dans le rover pendant que ça roule. Et ça que, fait voilà. Un peu cher pour 6 euros quand même. Hein. C'est assez gadget, c'est sympa, ouais. Mais ça mériterait d'être un peu plus développé. Je pense que c'est pas le meilleur film non plus pour ce genre de truc. Ouais, par contre, tu vois, un Star Wars 7 avec des combats spatiaux. Là, je pense que ça peut être intéressant parce que le siège bouge vraiment parfois. Et là, par contre, un Faucon Millennium qui, comme dans le trailer, enfin dans la bande-annonce, on voit qu'il bouge dans tous les sens. Là, je pense que ça peut être kiffant, par contre. Donc, mais à mon avis, il faudrait qu'on fasse un film spécialement pour ça. C'est-à-dire qu'il y ait un mec derrière. Mais c'est fait pour ça. En fait, c'est pas pour tous les films. Hein, ces sièges-là, c'est que pour certains films dont fait partie Seul sur Mars. Mais du coup, je me demande, ouais. les gars qui programment les sièges, est-ce que ce sont les gars qui ont fait le film ou est-ce que c'est les gars, en ayant vu le film, ils se sont dit, bah tiens, je vais faire ceci, cela. Je pense que c'est plutôt ça. Ils regardent le film et ils se disent, ils devraient utiliser justement des gars qui ont participé au film. Ouais, mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas possible à partir du moment où t'as pas de nombre de sièges suffisant en France ou dans le monde pour justifier ça. Tu vas pas payer des mecs en plus pour dire à tel moment tu fais telle vibration. Sachant qu'en fait, au final, sur 100 salles, t'as deux salles, voire une salle, qui a des sièges qui vibrent, tu vois. Tu peux pas te permettre de payer des gens en plus juste pour ça, en fait. Attends, ouais, t'as plus que ça, t'as 4D, enfin, t'as le même truc que disait Nicolas, plus l'eau que tu reçois sur la gueule, plus le vent, plus de l'air. Bon, eux, forcément, bon, c'est Tokyo, c'est un peu normal qu'ils aient le truc au top, over the top. Mais ouais, c'est du gadget. Ils ont des machines pour te branler aussi. Mais là, je me suis renseigné un peu sur le truc. Ça a l'air d'être quand même donc ça s'appelle les D-Box, mais ça a l'air d'être un truc assez énorme en fait. C'est D-box, international. Voilà. Et je pense qu'en fait, ils travaillent directement. Je pense que ça a l'air d'être une entreprise. Et je pense qu'ils travaillent directement avec les studios de cinéma pour justement travailler dessus en même temps qu'ils sont en train de faire le film. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Ça me paraîtrait plus logique. Qu'un mec qui regarde le film après pour sortir le truc. Je suis pas sûr qu'il fasse comme ça, mais je pense que ça se fait au niveau du montage, en même temps que le montage, pour que ça soit bien calé et tout ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la réalisation, messieurs? Ouais. Juste, j'étais parti pendant quelques minutes. Vous avez parlé des références à Prometheus, par exemple? Non, des vraies références. Parce qu'on va pas se voiler la face quand même. Le film manque clairement d'originalité au niveau de sa mise en scène, moi, je trouve. Hein. Elle est très bien, elle est très clean, mais Mission to Mars, Interstellar, Gravity, Seul au monde, le mec enchaîne quand même un paquet de références, et je parle pas uniquement de l'ambiance. Il y a des plans, littéralement, qui sont pompés à d'autres films. Hein. Ah, il y a un plan. J'ai appuyé dessus, justement. Ouais, voilà, il y a un plan... Pompé ou hommage? Ben, tu vois, c'est ça le doute, parce que franchement, sans déconner, il y a un plan en fait où j'ai vraiment fait, est-ce qu'il y a de l'hommage ou est-ce que c'est du repompage? C'est à la toute fin du film, quand on voit le personnage de Jessica Chastain qui part récupérer Matt Damon et à laquelle il manque du mou pour l'atteindre avec le grappin. Mm-hmm.
putain, Mission to Mars, oui, t'as le même plan au millimètre près, quoi. À mon avis, c'est de la copie déguisée en hommage. Voilà, ouais, c'est un des problèmes que je trouve avec Ridley Scott, c'est que là, il tombe vraiment dans un vice qui peut le plomber. C'est-à-dire que ouais, le film est vachement classe, t'es à fond dedans, l'esthétique, elle est plutôt clean, la mise en scène, voilà, il y a une patte. Enfin, mais merde, putain, Ridley, il a 75 ans. Je veux dire, tu prends l'exemple dans la même idée, le Loup de Wall Street de Scorsese, t'as quasiment aucun repompage, c'est que de l'original, c'est que de la nouveauté. Et je trouve que Ridley Scott, à travers ça, ben, il perd un truc sur lequel il pourrait inventer des plans superbes. Enfin, le mec, il a 75 ans, Quand tu regardes le film, t'as pas vraiment l'impression de regarder un film de Ridley Scott. Tu te dis pas « Ah, c'est Ridley Scott !» C'est ça, voilà. Mais c'est un petit peu un problème de Ridley Scott depuis 10 ans. Quoi. C'est un bouquin à l'origine. Est-ce que le bouquin lui-même ne s'inspire pas d'autres œuvres ? Mais dans la réalisation, Oui, il aurait pu faire sa propre adaptation, mais bon... S'il a voulu être fidèle au bouquin... D'un côté, Ridley Scott, sans vouloir être méchant, c'est un peu une vieille pute hein, quand même, parce que il a quand même... Attention ce que tu dis. Sans vouloir être méchant... Non mais il a quand même... C'est gratuit. Il a quand même dit très ouvertement... Mais te malabouter, Valentin. Il a quand même dit très ouvertement que le film, il l'a torché en 10 mois, qu'il est resté 2 semaines dans la salle de montage, qu'il n'en avait absolument rien à foutre de The Martian, et quand il a vu que ça a cartonné, il s'est moqué de tout le monde en disant « bah si vous aimez les merdes comme ça, je vais en faire plusieurs. » C'est de la vengeance par rapport à ses anciens films, peut-être, qui n'ont pas eu l'accueil public. Soit c'est de la vengeance, c'est vraiment un gros coup. Mais moi, s'il se venge comme ça, ça me va, hein. Franchement, il n'y a pas de problème. Mais, tu vois, c'est ça, j'ai ce vieux doute. Est-ce que c'est vraiment de la vengeance? Ou est-ce que c'est vraiment que c'est un gros con et qu'il est limite en train de devenir cynique sur le cinéma qu'il est en train de faire? Non, c'est de la vengeance. Il s'est tellement fait bâcher pour Exodus, pour Prometheus et pour Cartel, que bon, en soi, c'est de la vengeance. Et il a vu que ça a plu et du coup, il s'est dit clairement. Voilà, vous voyez. J'ai un doute sur le côté vengeance quand même. J'ai vraiment un doute. Bon, je pense pas. Je suis bien connu que Ridley Scott a un caractère de cochon. Hein. Valérian, tu voulais dire quelque chose? Justement, en termes de référence, tu parlais précisément, Valentin, de la dernière, scène. Mmh. Cette dernière scène, elle a été tournée avec les équipes qui se sont occupées de Gravity. Oh non! Et toute la technologie des lumières, de la lightbox, ce qu'ils appellent, c'était utilisée pour cette scène-là. C'est clairement là le moment Gravity. D'ailleurs, je le ressentais lors des plans avec cette espèce de là, ce cordage un peu. Ah bah oui, c'est complètement la séquence où George Clooney il se barre et il va s'échapper. Voilà, exactement. C'est vraiment la même. Bah là, je veux dire, l'équipe même qui a travaillé sur Gravity a été engagée pour cette séquence. Donc là, on ne peut pas faire plus copier ou hommage ou ce que vous voulez en fonction de votre avis par rapport à la séquence près, parce que tu as vraiment en plus le coup du « je zoome sur les mains », quand les mains se touchent, on s'accroche un petit peu et on n'y arrive pas tout de suite. Tu vois. C'est chaud. C'est dans Gravity. Après, tu peux prendre la même équipe que Gravity, mais c'est à Scott de changer un peu le truc. Enfin, c'est lui chef quand même, c'est un peu dommage. Il a dû Il a laissé faire. Oui, c'est ça, mais je suis d'accord. Il se force même pas et il fait un pilote automatique. Le mec, il rejoint à 100%. Et voilà, quoi. Complètement. Oui, ouais, c'est dommage. C'est chaud, je trouve, c'est chaud quand même. Parce que ça pose vraiment la question de la légitimité de Ridley Scott, auteur ou réalisateur. Mais ça, il s'en fout, je crois. Maintenant, il s'en fout complètement. Il fait des films et puis voilà quoi. Voilà. Non, mais c'est un peu ça et c'est devenu un problème quand même chez Après, lui. Après, je peux comprendre que ça soit décevant, effectivement. Bah, ouais, mais tu vois, d'un point de vue remise en question de ton travail et autres. Il a peut-être pété les plombs, contrairement à d'autres qui ont quasiment le même âge, comme Clint Eastwood, qui est capable encore de faire des films comme American Sniper aujourd'hui. Bon, je suis d'accord, c'est pas la même chose, mais. Mais dans l'idée, c'est faire un film par an, quoi. Clint Eastwood, même quand il fait de la merde, il apprend quand même de ses erreurs, tu vois. Et puis il essaye quand même d'apporter quelque chose qui change, quoi. C'est-à-dire que Clint Eastwood, tu reconnais sa patte, mais ça change quand même en fonction des films qui tournent. C'est ça, il s'est évolué même aujourd'hui. Et Ridley Scott, dans un sens, il a une patte, mais là, elle est en train clairement de devenir une patte générique. C'est-à-dire que le mec, il est en train de recomper par-ci, par-là. Le film est à l'image de Scott, en fait. Scott, il s'est fait bâcher, mais d'une puissance pour rien. Prometheus, je suis désolé, qui n'est pas une merde. C'est loin d'être une merde, Prometheus. Faut être stupide. Non, le problème de Prometheus, c'est sa promotion. Quand on dit que Prometheus, c'est prologue à... C'est peut-être pas la faute de Ridley.
Mais moi, je prendrais toujours mon exemple. Quand je suis allé voir Prometheus, j'avais vu ni la bande-annonce, je ne savais pas qui réalisait le film. J'ai juste vu l'affiche. J'ai vu l'affiche. J'étais au cinéma, je me suis dit, je vais voir un film. J'ai vu l'affiche, j'ai fait, tiens, je vais aller voir ça. Je suis allé voir ça. Et crédule comme je suis, c'est que vers la fin du film que je me suis dit, on dirait Alien. Je te jure, je me suis dit, c'est pas possible, il a pompé Alien. Mais c'est formidable. Et c'est à la fin, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est le même mec qui a fait Alien et finalement, c'est le préquel d'Alien. D'accord, bon, bah ouais, bah ouais. Et finalement, j'avais kiffé le film sans savoir qu'effectivement. Mais quelle chance tu as eu! Eh oui, voilà, tu l'as vu dans la meilleure condition. Comme ça, sans rien savoir. Et moi, j'ai kiffé Prometheus et je l'ai. Combien de fois je l'ai regardé? J'ai dû le regarder donc 3-4 fois depuis que je l'ai vu au cinéma et je kiffe toujours autant le regarder. Je kiffe plus Prometheus que de regarder encore un nouvel Alien que j'ai déjà vu quelques fois, mais je préfère regarder Prometheus que Alien personnellement. Parce que Alien, bon, le scénario. Et tu sens que Scott, il a son petit projet, parce que s'il arrive au dernier moment, c'est parce que ces dernières années, il s'est fait bâcher, il a pas fait des trucs terribles, il s'est dit, ah bah là, je vais peut-être avoir une occasion de faire un truc que je souhaite faire, mais les trucs où il s'est gâché, malheureusement, c'est des choses qu'on a déjà vues. Alors, c'est vrai qu'on va y arriver quand tu dis qu'il est pas has-been. Techniquement, ah non, il n'est pas has-been, je suis d'accord. Mais par contre, par rapport à la reprise de Mission to Mars Graffiti, là, où l'espèce d'enfant illégitime qui nous a fait en bien fait hein, mais ouais, tu sens que le mec, voilà, il a apporté sa patte, mais il avait ça besoin de rester dans le coup. Est-ce qu'il avait pas besoin de se rassurer et de rassurer le public et aussi les producteurs? Non, il a fait le film en 27 jours, il a pas besoin de rassurer qui que ce soit, et puis c'est lui qui produit ses films, donc je pense au bout d'un moment t'arrêtes, oui, c'est vrai, une limite rassurer et en avoir après, rien à foutre. Sur ce que t'as dit, comme quoi il a dit que bon, bah, si vous aimez bien de la merde, je vais en faire plus. Ah, non, mais... T'as vraiment l'impression que le mec, c'est un peu le mec têtu, parce qu'en fait t'as un petit peu de Ridley Scott dans le film, mais ça se reconnaît pas tout de suite. On ne dit pas que c'est Ridley Scott qui a fait le film. Tu te dis, ouais, bon, tu peux te poser ça, la question. C'est ça, en fait. Ouais, t'enlèves le nom de Ridley Scott et tu mets le mec, n'importe qui. Que le mec, en fait, il est ultra têtu, tu vois. C'est-à-dire que on parlait de Clint Eastwood. Tu compares Clint Eastwood qui va faire des erreurs, qui va apprendre de ses erreurs, qui va modifier certaines choses, mais tu reconnais toujours son cinéma, tu vois. À Ridley Scott qui va systématiquement quasiment faire la même chose, qui va vouloir imposer sa vision, et même si on lui dit que c'est pas bon, bah, il va le faire quand même, parce que il veut que ce soit comme ça, et il va pas apprendre de ses erreurs, tu vois. C'est vraiment Il se base sur ses acquis. Il se base un petit peu trop sur ses acquis, d'ailleurs, quand même. Voilà, c'est ce qu'on pourrait lui reprocher, ouais. Parce que voilà, c'est con, mais pareil, cette séquence de tempête du début, c'est la même séquence que dans Prometheus, quasiment au plan près, quoi. Merde, c'est exactement les mêmes effets spéciaux, c'est exactement les mêmes espèces de débris qui arrivent, enfin... C'est chaud, tu vois, il y a vraiment cette limite entre repompage ou manque d'inventivité ou même parti pris. On n'arrive pas à savoir, en fait. Il n'arrive pas à clairement dire « je veux faire ça ». Il est coincé entre un espèce C'est pour faire venir les gens en salle. Les gens, quand ils voient ça, quand ils voient certains plans, « Oh, ça fait comme Mission to Mars. J'avais bien aimé Mission to Mars. Allez, je vais aller le voir. Oh, tiens, il y a la tempête comme dans le premier film. Ah, c'était super ce moment. Je vais aussi aller le voir. » Dans ce cas-là, on est vraiment dans l'idée que Ridley Scott est une vieille pute qui racole, quoi. Mais je vois pas. Oh, j'irais pas jusqu'à dire qu'il y a des putes. Le mec qu'on voit pour faire venir les gens, c'est bien normal. Il s'inspire de tout ce qui a été fait avant les grands films dans l'espace pour faire le sien. Et c'est aujourd'hui, on fait que ça. On fait que on fait que de la référence. Et ça choque encore. Moi, je trouve ça fou que vous soyez très actuel. Moi, je suis d'accord avec Valérie. Je préfère une copie déguisée en hommage qu'une copie tout court qui n'est pas assumée. C'est surtout que dites-vous, les mecs, mettez-vous à sa place. Vous passez après Interstellar et Gravity, ou faites un film dans l'espace. C'est quand même difficile d'enlever certains plans, et toi, tu te dis que c'est un beau plan. Ça se trouve, pour certains plans, il s'est dit, je vais faire comme ça, et il s'est même pas aperçu que c'était une copie. Alors, je dis pas pour tous les plans, bien sûr. Hein. Mais c'est difficile. Moi, je trouve ça difficile. Je trouve quand même qu'il faut être un peu plus indulgent. C'est difficile de passer après certains films qui sont, entre guillemets, la référence de ce style-là, tu vois. Donc comme référence depuis tout à l'heure, on prend Interstellar et Gravity. C'est difficile de passer après ça quand t'as eu une révolution visuelle, puisque Gravity, quand même, il y a des choses, on va pas cracher dessus. Voilà. C'est difficile de passer après ça, sachant que t'as un public qui attend certaines choses, comme le dit Valérian. Si t'as un public qui attend, qui passe après Gravity, qui attend quelque chose, faut que tu leur donnes, tu vois. Donc t'essayes de faire en sorte où tu copies,
Voilà. Enfin, après, c'est... moi, je ne considère pas ça vraiment comme de la copie. À part, mis à part le plan avec le câble, là, c'est du Gravity. Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas ce que les gens vont chercher, tu vois ? C'est du Gravity, c'est un cahier des charges, en fait. C'est... Oui, mais dans ce cas-là, tu n'es pas un auteur. Dans ce cas-là, tu n'es pas un auteur. Mais ils s'en foutent de ça. Ils se montent le bourrichon tout seul. C'est le critique français qui se monte le bourrichon tout seul sur est-ce que les réalisateurs deviennent des auteurs ou non. Mais les réalisateurs, il y en a qui embrassent cette idée du réalisateur-auteur, mais il y en a d'autres, ils n'ont pas le temps pour s'occuper de ces conneries, quoi. Oui. Ça, c'est des conneries de critique, hein. Les réalisateurs, ils n'en ont rien à foutre. C'est pas la promesse de Scott, c'est pas la promesse le du cercle sur Canal+. Ah oui, voilà, le cercle, oui, exactement. Non, mais... je pense qu'il faut voir ce film plus un film en filiation, une sorte de, voilà, de descendance, de fils de films précédents, que forcément, de voir ses références très appuyées, visuelles, comme un défaut. On pourra dire bien plus tard, hein, ce film a influencé ce film, qui a influencé ce film, etc. Y voir plus quelque chose qui va s'instaurer dans la durée, dans l'histoire du cinéma, que de le voir dans l'instant même, là, comme un défaut de conception parce que le film a été très vite fait. Bah, de toute façon, mais comme Prométhée, comme Exodus, là aussi il a très vite tourné. Hein. Ah ouais, c'est un peu fou. Hein. C'est ouais, non mais le problème c'est que ça se voit quoi. Ridley Scott, c'est un mec. J'aurais tellement voulu directeur Scott d'Exodus. Je crois qu'il y en a une. Hein. Ouais, non, il faut pas la sortir. Hein. Ouais. Mais non, mais c'est ça, ouais. C'est un mec quand même, c'est ouf. Le mec, il arrive à te faire un film en seulement quelques jours, quoi. Mais on dirait les anciens réalisateurs des années 50. Le mec, il a la niaque, il enchaîne les trucs. Pendant même la promotion d'un film, il est déjà en train de réaliser l'autre. C'est un truc de fou quand même. Bah, c'est comme là. Inarritu faisait la promotion de Birdman, il était en train de tourner The Revenant. Moi, je trouve que c'est presque une force d'avoir une envie de tourner à ce point-là, à son âge. Parce que souvent, les jeunes peuvent être... Et à son âge, franchement, je trouve ça cool. Après, oui. L'âge, et franchement, un réalisateur, c'est pas non plus un métier... Enfin, c'est pas un métier physique, mais bon, ça... Ça dépend lesquels. Faire des sueurs froides. Ouais, mais tu vas pas avoir un AVC en réalisant. Même pour un jeune, va dire ça à Vincent Cassavetes. Ouais, mais après, tu vois, après, le truc, c'est que les réalisateurs vieux, ils ont déjà beaucoup d'expérience. Ils ont des automatismes au bout d'un moment. Mais Adam, regarde Scott, il s'est fait bouffer les années précédentes. Il avait besoin de montrer que c'était le patron, que c'était le chef. Il y a une pression quand même. C'est peut-être pas une usure physique, mais c'est une usure mentale surtout. Surtout pour Scott. Non, mais cite-moi un réalisateur qui est content de faire de la merde à part UV Ball, tu vois. Je veux dire. Non, mais c'est vrai. Arthur Benzaken. J'allais dire Arthur Benzaken aussi. Les trois quarts des réalisateurs, quand ils font quelque chose, ils espèrent que le public sera là derrière et qu'il va apprécier, tu vois. Je pense même qu'un réalisateur, même si le film ne fonctionne pas, les gens qui ont été le voir, s'ils apprécient, ils seront contents. Tu vois. Mais à part si les producteurs dedans, là, par contre, ce sera un peu moins content. Mais qu'est-ce qui marche en ce moment? Est-ce qu'il marche? Seul sur Mars. Ouais, plutôt. Ah oui, il marche très bien, même. Non, mais je sais pas, j'ai pas regardé. 458 millions dans le monde. Allez, hop. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Rentabilité. Si vous avez des sous à investir, donnez la encore. Il fait encore les plus grandes salles de cinéma. Donc, je sais pas s'il est sorti encore en Chine. En plus. Ici, il est sorti en Chine. Ah, c'est bien. Il a peut-être mis des Chinois pour avoir quelques places là-bas. Non, mais de toute façon, la Chine se regarde. Je sais pas si c'est dans le bouquin. Non, mais la présence des Chinois est dans le bouquin. Ou si ça a été vraiment rajouté pour. Non, c'est dans le bouquin. C'est dans le bouquin. D'accord. Mais ça va un peu avec le cinéma actuel entre Hollywood et la Chine. C'est que souvent, les Chinois, et je prends l'exemple de Iron Man 3 qui était un exemple concret de ça. Où effectivement, les Chinois avaient des scènes qui n'étaient pas dans la version européenne et même américaine parce que ils avaient tourné des scènes en Chine ou je sais plus trop quoi. Enfin bon, il y avait un deal qui était fait et du coup, voilà, les Chinois s'intéressent beaucoup au cinéma américain. Mais c'est l'avenir du cinéma. Même le Transformers, le dernier Transformers, il y a une énorme scène là-bas. Ouais.
Les Chinois ont investi dans Transformers, Iron Man 3. Ouais. Les Chinois, dans quelques années, ils vont contrôler le milieu du cinéma. Les mecs sont visionnaires, ils ont investi dans pourquoi j'ai pas mangé mon père quand même. c'est pas des conneries, hein. Sachez que les Chinois en ce moment ils cherchent des gens qui travaillent dans le milieu du cinéma. Enfin, je connais un réalisateur et il m'a dit justement qu'en Chine, si vous voulez être réalisateur et ainsi de suite, c'est là où il y a le plus de travail. En Chine. Ouais, mais les gars, à mon avis, dans quelques années, c'est eux qui vont produire des films de ouf. Enfin, à mon avis, c'est qu'une question de temps. Bientôt, ils auront leur propre studio, leur propre production, et ils vont mettre des paquets d'argent. Ouais, ils vont mettre des actrices comme Yorick, apparemment, c'est un projet qui... Ah oui, mais le film, je l'ai vu, il est génial, hein. Ah, j'ai pas vu, par contre. Ouais. Mais ouais, ils ont des Dragon projets Blade, comme ça, avec des stars. Et il est excellent. Oui, oui. Ah, mais il est super, hein, je le recommande. Oui, je pensais à un autre, mais oui, avec Martin Freeman et... Non, il y a John Cusack et Adrian Brody. Voilà. Parce qu'il y en a, bon, enfin, ils ont vu qu'on parle d'acteurs. Mais attends, il y aura la muraille de Chine avec Matt Damon, hein. Par Zhang Yimou, le mec qui avait fait Hiro, il y aura Matt Damon en constructeur de la muraille de Chine. Quoi? C'est pas un Chine. Ça sort en 2016. Les personnages, les amis. Anthony, tu ne parles pas beaucoup, Anthony. Parle-nous des personnages de ce film. Je vous écoute, je vais casser Ridley, putain. Les personnages, bon, on va bien sûr parler de Matt Damon. Enfin, moi, je le trouve ultra convaincant. En fils de l'Amérique, perdu, qu'il faut aller sauver. Enfin, ça marche toujours. J'ai l'impression qu'il est destiné à le faire régulièrement, et tant mieux. Après, si le public boude un peu Ridley Scott, les critiques aussi, j'ai l'impression que les acteurs ne refusent pas de tourner dans un petit Ridley Scott, même avec un tout petit rôle. Alors moi, j'ai un problème avec un petit rôle, justement. Kate Mara, je la trouve invisible dans ce film. C'est vrai qu'elle sert à... Elle faisait la femme invisible dans Les 4 Fantastiques. Ouais, c'est ça. Ça se tient. Bravo, ça se tient. Non, mais Jessica Chastain, Michael Pena, bon, c'est pas le même niveau d'acteur, on est d'accord. Hein. Il y en a une qui est un peu plus confirmée que l'autre. Qui c'est qu'on a d'autres? Jeff Daniels, on a qui d'autres? Sean Bean. Le mec, l'astrophysicien ou je sais plus trop quoi, là, le jeune. Oui, le Sean qui est le fils de Danny Glover. C'est le fils de Danny Glover. C'est un clicheton à lui tout seul, le gars. C'est un personnage fonction, quoi. C'est un personnage fonction, il remplit son rôle et merci, au revoir. Bon. Ouais, puis ça passe. C'est facile, c'est divertissant, c'est pour la famille. Bon, ça passe, on va dire. Voilà. En tout cas, j'ai l'impression que les acteurs, ils sont pas contents de tourner dans un petit Ridley. Ça fait bien sur le CV, quand même. Ouais. Surtout qu'il est âgé, donc il faut se dépêcher. Il faut en profiter, effectivement. Effectivement, profitez-en. Il a pas une maladie, donc ça va. Mais c'est comme Woody Allen, en fait. Les mecs, ils enchaînent à fond. Oui, vite, ouais. Vite. Mais oui, mais c'est ça. Ouais. Juste pour rebondir sur Kate Mara. Woody Allen, hein, juste pour rebondir sur Kate Mara, à la base, elle devait tenir le rôle de Jessica Chastain dans le film. Ils ont pas la même carrure, les deux. Et en plus, son personnage n'existe pas dans le bouquin. Ils n'ont pas trop voulu lui dire finalement on n'a pas besoin de toi, est-ce que tu peux repartir s'il te plaît. Non, mais ce qui a vraiment fait qu'il y a eu une décision finale sur Jessica Chastain, c'est quoi à dire, mais c'est Interstellar. Ouais, et justement, je voulais en revenir à ça. C'est sûr que ça peut aider. Quand j'avais vu les bandes annonces qu'on me met Matt Damon, Jessica Chastain, Interstellar 2. Mais oui, et puis avoir Interstellar sur son CV, c'est mieux qu'avoir Transcendance sur son CV, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont pu choisir Jessica Chastain. Je pense que quand on va voir un film, enfin moi personnellement, je m'en fous de qui a fait quoi avant, je me projette dans le film. Certes, le raccourci financier de se dire bon, on met des gens qui ont déjà tourné dans le même style de film, on va dire en voyant très large, je peux comprendre. Après, personnellement, moi, en tant que spectateur, ça ne m'a pas troublé de retrouver les acteurs à peu près dans le même contexte. Pour eux qui recrutent, je pense que ça joue, quoi. Ouais, bien sûr, les mecs pensent à l'argent. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, je trouve. C'est que justement, ça se trouve au niveau de la pub et au niveau de la com, ils ont voulu racoler là-dessus parce qu'ils se sont dit, les cinéphiles, ils vont voir qu'il y a Jessica Chastain et Matt Damon et ils avaient déjà joué dans Interstellar. Mais justement, ce qui est génial, c'est qu'eux, en tant qu'acteurs, ne font pas du tout ce racolage-là.
ils se détachent vraiment de leur personnage, ils mettent dans la prestation, dans le film, ils sortent vraiment de l'ordinaire. Tu as raison, c'est, sûr, c'est tant mieux. Surtout que si tu veux faire ce parallèle, Matt Damon dans Interstellar, c'est un gros enculé, tu vois. En plus, c'est un enculé. Alors que là, tu t'attaches dès les débuts, tu vois. Mais il joue le même type de personnage. Donc tu vois, c'est juste ouais, ça, c'est une espèce ouais. de racolage publicitaire à qui n'est pas présent dans le jeu des acteurs. À la combinaison près, je dirais même. Oui, c'est vrai. Enfin, en attendant, bon les personnages, je les ai trouvés très bons, je sais pas mais il n'y en a aucun qui, pour moi, n'a pas le niveau. Plus, quoi. Ce qui est super sympa, c'est que quand je regarde Matt Damon dans Seul sur Mars, je ne vois pas Matt Damon. Je vois autre personnage. Vraiment, le mec. Oui, c'est ça. C'est... Si tu vois pas l'acteur. T'as un bon mélange, t'as Matt Damon, bon voilà, bon bah il fallait vendre, hein, donc c'était bien de prendre un bon acteur connu. T'as Jessica Chastain qui est convaincante, puis même t'as Chiwetel Ejiofor qui est super en ce moment et il est super dans ce film aussi. T'as Jeff Daniels, mais moi j'adore Jeff Daniels. Ils sont tous énormes. Les gens ils s'arrêtent à Dumb and Dumber, mais le mec c'est pas que ça. Arrêtez à un bout d'un moment déjà. Le mec c'est aussi divertissant. Et je l'avais pas reconnu. Je savais bien que je l'avais vu quelque part, mais j'arrivais pas à savoir d'où. En fait, la marche est tellement grande que c'est sûr que ça fait bien de voir sérieux là, par rapport à Dumb and Dumber. Si, je me dis, mais putain, ce gars-là, je l'ai vu, mais où? Et j'arrive. Il est où Jim Carrey? Il arrive quand? Jim Carrey pour Nico, pour qu'il soit bien dans le film en fait. Mais non, mais ils sont tous convaincants. Même ouais, si enfin, il apparaît, enfin, c'est parfait quoi. Même l'acteur qui fait l'allemand que je ne connaissais pas. Tu sais, il y a dans l'équipage, t'as des Américains et t'as un mec, un Allemand. Ouais, c'est un Allemand qui s'est fait. Ah, lui, il est vraiment excellent, lui. Ah, non, il est parfait. Enfin, je veux dire, même si tu le connais pas, bah, justement, tu y crois encore plus parce que tu. Enfin, moi, personnellement, je le connaissais pour pas. Pour moi, ce mec, il est invisible. Ah, il a un petit rôle. Mais attends, Kate Mara aussi, elle a un petit rôle dedans. Moi, je suis tombé amoureux de la blonde. La blonde qui gère le centre. Ah, de Kristen Wiig. Ouais. Ah, le petit côté secrétaire en tailleur, je vois que Nico. Non, ça y est, je suis tombé amoureux grave là. C'est fini. Moi, à chaque fois qu'il y avait une scène, j'étais là. Ah, elle est là. Ah, oui, elle a joué dans Walter Mitty d'ailleurs. Je pouvais pas me passer d'elle. Voilà. Nicolas, c'était là et moi, c'était les patates. Chacun son tour. Patates, c'est bien aussi. Bah, elle joue bien. Et il y a même mieux à dire, Valérian. C'est toi qui as dit qu'elle avait joué dans Walter Mitty? Non, c'est moi. Désolé, voilà, ouais, il y a sosie vocale encore. elle va jouer dans SOS Fantôme 3. Oh là, faites jamais merde. C'est pas bon, juste ça. J'aime moins. Je sais pas pourquoi. Oh, monsieur, c'est bon. Mais ça sent le remake acteurs, bien non, mais d'après l'un des acteurs de Ghostbusters, il a dit qu'il serait meilleur que l'un et ouais, c'est Dan Aykroyd en plus. Ouais, mais pas ça, dire ça, le contraire, Adam. Mais bon, comme on voit. Ça va être de la merde. Depuis les 4 Fantastiques, il faut se méfier de ça. J'aime bien Adam qui te dit « Ouais, les Américains, ils sont comme des chaises et tout. » Et Adam croit un mec. Ah, mais non, mais non, j'y crois pas. Qui va dire que le film qu'il va faire est mieux que celui d'avant. Je dis juste une affirmation. Enfin, je dis juste qu'un mec a dit après. Comme Vin Diesel qui dit que Fast and Furious, c'est une saga. Non. Il a dit que. En parlant cinéma et vrai acteur, s'il vous plaît. Non, mais ils sont bien. Non, mais tous les acteurs sont bons. Non, j'aurais une petite pointe, n'empêche, sur Sébastien Stan, qui pareil joue un mec de l'équipage et tout. Ah oui. Ouais, c'est un acteur que j'aime bien, mais enfin là, je l'ai trouvé totalement transparent. Ah, le playboy de l'équipe, un peu, là, c'est ça. Là, son rôle, c'est Monsieur Muscle, un peu. C'est le mec qui part et il saute. C'est celui qui les ramène en tirant sur la corde, là aussi. Ouais, voilà, ouais, c'est un peu. D'ailleurs, il a son petit moment de relation avec Kate Mara, elle est complètement inutile en fait. Bah ouais, c'est juste un proche, j'ai oublié. C'est en fait, c'est un mec de chez Marvel qui kiffe une meuf de chez Fox qui fait des films Marvel. Et t'as un mec qui vient d'arriver chez Marvel et qui veut bien la serrer, tu vois. Michael Peña aussi. Bon, mais je pense aussi que c'était pour donner un petit côté cool à ce qui se passe dans l'équipage, dans le vaisseau. Parce que ça manquait un peu de coolitude, même si Michael Peña essaye de faire le mec hyper cool de l'endroit. Je me dis que la petite relation, c'était pour ajouter un petit côté sympathique. J'ai trouvé que c'était quand même un beau pied de nez au scénar classique qu'on va retrouver notamment dans les films des années 90 où... t'as forcément le couple interdit et qui arrive à quelque chose de dramatique à un des deux membres du couple et en fait il se passe rien finalement, voilà, ils sont juste amoureux et puis ils finissent tous et ils ont un bébé à la fin, c'est super, c'est joli, c'est tout beau, voilà, pour une fois il n'y en a pas un qui meurt dans d'atroces souffrances. On se dit oh c'est dommage, le seul couple qu'il y avait dans le film, et ben il y en a un qui est mort dans le couple. Non, voilà, pour une fois c'est bien. Je m'attendais à ce qu'il y en ait un au qui final, meurt. C'est vrai fait, que t'as raison. Le seul mort du film, en fait, bah, c'est une fusée. En fait. Ouais.
une fusée qui meurt. Sans personne dedans. Dramatique. Il y a même pas de mort dans Sol sur Mars finalement. Non, par contre, ça, c'est ce cool. qui est triste, c'est Sean Bean qui se fait virer, le pauvre. Ah oui. Mais peut-être pas, hein. On ne sait pas. Peut-être qu'il a été réhabilité parce que justement. Ah, il est chinois. Ouais, bon, c'est largement sous-entendu qu'il va sauter. Il y aura un Sol sur Mars 2 et Sean Bean, en fait, il va travailler pour les Chinois. T'as la scène où il est chez lui. Il est chez lui et il est viré. Tout comme les membres de l'équipage. Non, mais tout comme les membres de l'équipage. Voilà, JN, de tout est positif. Non, sauf franchement, ils sont voir à tous changer. Mais quel président de mission, t'as peut-être pas envie d'y retourner tout de suite dans l'espace. Hein. Ouais, seul sur Mars 2, sauver Sean Bean. Sean Bean sur Mars. On va devoir arriver à Pôle emploi pour le deuxième film. Peut-être qu'on sait pas. Sur Saturne ou sur. Tu vois. Changer de planète. Seul sur Saturne, seul sur Vénus. Sur Saturne, ça va être pas possible, je pense, vu que. Ouais, ça sera pas possible. Et vu les tempêtes et tout qu'il y a là-dedans. Et vu que c'est sur un astéroïde. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu Jupiter Ascending. C'était assez violent. Non, mais les acteurs sont bien dirigés, franchement, ils sont bien dirigés. Non, mais ouais, ouais. Quand ils interprètent le personnage correctement, ils n'en font pas des caisses, ils n'en ont pas besoin. Bon, c'est pas étonnant de la part de Scott, là-dessus, on ne peut pas trop lui reprocher. Bon, Exodus, c'était bizarre, mais là, sur ce film, c'est cool, quoi. C'était pro. Du coup, donc, plus rien à rajouter sur les acteurs. Non. Ils sont tous très bons. Ouais. On va parler de la musique. La musique qui a une place assez importante, ouais. Surtout la musique disco, hein, dans ce film. Même la musique originale créée pour le film. Que, ouais, parce que je me la suis tapé, la musique originale du film, à chaque fois que je faisais la fermeture de la salle. À force, la fin, je la connais par cœur. Hein, les elle 5 dernières minutes, je la connais. Mais la musique de fin, elle est juste trop bien. Et on l'entend plusieurs fois d'ailleurs, même pendant le film. C'est pour ça que j'en ai un petit peu marre, même si elle est très, très jolie. Mais elle est vraiment bien, bien faite. Non, mais ouais. C'est merde, comment il s'appelle le compositeur Williams. Ouais, c'est ça, Harry Gregson-Williams. Mais ouais, et c'est surprenant de sa part, franchement, parce que d'habitude, mais il fait pas des compos qui marquent forcément plus que ça, quoi. Oui, c'est vrai. Tu t'écoutes ses musiques, d'habitude, ça marque pas plus que ça, mais là, je trouve qu'il a fait un vrai travail avec des sonorités qui changent, avec un vrai esprit apporté à la bande originale. Enfin, ouais, tu peux l'écouter toute seule, la musique, ouais, tu te sens quand même transporté. Enfin, il y a vraiment des vraiment reconnaissable. En plus, ça fait pas genre musique standard de film. C'est ça, ouais. Contrairement à ses autres compositions. Ça fait vraiment. Tu sais que, en la réécoutant, tu fais ah, c'est la musique de Seul sur Mars. Tu vois, tu sais direct c'est que ça s'est accroché au film. Par contre, on va pas se cacher que quand il dit vous avez vraiment des good shots en matière de musique. Les musiques qu'on entend pendant le film, elles sont quand même rigoler. Pas mal trouvées, quoi. Je veux dire, oui, c'est, non, pas mais c'est pour faire rigoler. Ouais, je pense qu'il est taquin là, sur le coup. Ouais, il est taquin, c'est ça. Bon, je t'avoue que quand même, le petit I Will Survive sur le générique de fin, ça m'a un peu tué quand même. Là, j'ai fait. Oh, là, ça rajoute au ton humoristique du film. En fait, je pense aussi qu'en France, I Will Survive France 98, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est sûr. Il aurait pu y penser quand même, Ridley. Non, en fait, il y a pensé et il s'est dit qu'on n'entendrait plus cette musique avant 50 ans. Donc, il s'est dit qu'on va peut-être la mettre. C'est possible. C'est ça. Moi, je l'ai kiffé, la musique I Will Survive. À chaque fois que je fermais la salle, je dansais dessus. Vu que j'étais dans le couloir, personne ne me voyait. J'étais content. Il devrait plus faire ça que... Parce que peut-être que vous ne saviez pas, mais Aladdin a des scènes de pendant le générique. Oui, non, on ne parlera pas. Je préfère finir sur I Will Survive que sur la fin d'Aladdin. Tu vois. Évitons de parler d'Aladdin, c'est un virus. Ah, c'est bon. Non. Il paraîtrait qu'à la fin d'Aladin, il y a Nick Fury qui vient chercher Kev Adams. J'ai entendu parler de ça, un éventuel Avengers 3. Il y aurait une pierre un peu de l'infini à l'intérieur de son corps, je vous laisse deviner ça, où. Il faut buter Kev Adams pour récupérer la pierre de l'infini. Ouais, ça serait bien. Oh, même sans ça, non, on devient méchant là. Non. C'est pas la pierre de l'humour, hein, en tout cas. Ah non, non. Oh. Intelligence, mais non, la musique est top. Ouais, le mélange est bon en ça fait. Ça rappelle un peu les gars. À mon avis, vu que le film est d'un goût certain, tu vois, ça doit être la Pierre Belmar. Oh, mais sérieux, lui. Oh là là, sérieux. On a quand même parlé d'Aladin, de Pierre Belmar et de Ridley Scott dans une même table ronde. Ça, c'est beau. Et plutôt classe. C'est plutôt classe. Camoulox. Camoulox, c'est un peu ça. Ouais. On va passer sur une conclusion, les amis. À moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter. Non. Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Très bien. Attends, aime plus les Américains. Hein? Comme d'habitude, vous connaissez les principes avec une note sur 20. Qui veut commencer? Je veux forcer personne. Moi. Wow. Ah, putain, j'ai même pas réfléchi à ça, moi. Mathieu, nous t'écoutons.
Bah, un très bon film. Comme j'ai dit au début, ça fait bizarre de passer d'Aladin à Seul sur Mars, parce qu'on a vraiment deux extrêmes en termes de qualité. Et non, enfin, c'est un très très bon divertissement. C'est-à-dire, je suis allé en salle juste dans l'optique de pas me prendre la tête, de voir un bon film. Et j'ai été dedans. Il y a un degré d'immersion grâce à la 3D qui est très très bon. Le rythme est bon, l'humour est très très frais, très très recherché. Et puis on se prend d'empathie pour les personnages, même si bon, j'ai quelques réserves sur certains rôles où Ridley Scott, bon, il les a pas, il leur a pas donné trop d'importance non plus. Après, peut-être une petite déception sur le fait que j'ai bien aimé la réalisation façon carnet de bord, mais bon, peut-être je pinaille un peu, mais j'aurais bien aimé voir Matt Damon qui prend carrément la caméra avec lui. Les GoPro peut-être sous forme de selfie. Bon, j'exagère un peu le truc, mais au moins ça aurait accentué. Mais il le fait un moment quand il se filme là pour envoyer avec une photo avec les patates. Ah, t'as dû aller aux toilettes à ce moment-là, c'est pour ça. Ah ouais, je m'en souviens plus de ce moment-là. C'est après un tout petit moment, ouais. Ouais, j'aurais peut-être aimé le voir quand même plus façon limite rendez-vous en terre inconnue, quoi. Mais non, pour mon Facebook. Mais sinon, franchement, c'est un très très bon divertissement. Et puis voilà, les effets spéciaux, ils sont très très bons. L'hommage à... Enfin, moi, je le vois plus, les plans fait version Gravity à la fin, je les vois plus comme un hommage. Parce que, bah, après, quand c'est un film sur l'espace, c'est difficile vraiment de faire quelque chose de différent. Donc voilà, j'en tiens pas rigueur. Ridley Scott, il revient dans mon estime après trois films que j'ai pas aimé lui. Et je lui donne un bon 16 sur 20. Très bien. Adam. Donc ça, tu gueules et après on... Non, mais non, justement, j'ai pas réfléchi à la note que j'avais donnée, mais... C'est pour ça que je te dis. Et je pense que je vais donner la note de 14. Alors, c'est pour moi, c'est un bon film. Franchement, enfin, Ridley Scott qui réalise un bon film après les navets qu'il nous a pondus dernièrement. Ça fait du bien. C'est bon, après, je trouve pas que c'est un film de ouf. Je pense que c'est un film que j'oublierai d'ici quelques mois. Je pense c'est pas un film qui me marquera ni qui marquera le cinéma, mais c'est un film, voilà, une très bonne réalisation, une bonne gestion de la musique, les acteurs jouent tous bien, enfin Il y a tout qui est bon dans ce film. On peut pas dire qu'il y a de réels défauts. Donc voilà, je mets la note de 14. 14 parce qu'après, bon, j'ai pas spécialement kiffé à donf, mais voilà, quoi. C'est un bon film, enfin, de la part de Ridley Scott. Ah, c'est bon, c'est fini, excuse-moi. j'étais en train de me dire. Oh là là. Anthony. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Bonne sensation, autant visuelle que auditive. Personnage parfait. Je me suis vraiment attaché à ce garçon, seul sur Mars, donc. J'aime beaucoup Ridley Scott, donc je me fais régulièrement... Ou The Martian. Je me fais régulièrement avoir par lui, et avec un grand plaisir en plus. Je vais lui mettre un 15 sur 20, parce que j'ai passé un super moment, et j'avais vraiment le côté feel-good movie, comme on dit, très cool, même après la séance, qui m'est resté quelques heures. Et ça, j'aime beaucoup cet aspect sensation après-film, en fait. Donc, un 15 sur 20, ouais. Charlatan. T'avais pas mieux, sérieux. Tu vas faire la suite d'Aladin, toi. Non, mais sérieusement, c'est un film, ouais, il te donne la patate, sans mauvais jeu de mots, c'est super. Oh, c'est... Oh, non, mais non. Non. Ah bah, j'aurais vu niveau. Il te donne la frite, alors. Voilà, continuons. Non, c'est un film... Je me sens seul sur Mars, là. Oh là, ce florilège. Non, mais c'est super, c'est un bon film. Bon, après, je vais pas répéter ce qu'on a dit sur les défauts. Il y a des défauts. C'est évidemment, ce n'est pas le niveau de Ridley Scott d'antan, mais non, Adam, je suis pas d'accord. Il a pas fait des navets dernièrement. C'est pas des navets qu'il a fait, même Cartagne. Ouais, mais pas après, c'est subjectif, quoi. Pour moi, c'est des films. Non, voilà, oui, selon toi, d'accord, mais Prometheus n'est pas mauvais. Après, c'est un bon réalisateur. Il sait réaliser des films, il sait filmer, ça y a pas de problème. Mais ah bah, il a fait Blade Runner, bah oui, heureusement. Ah oui. Il a fait Alien. si c'est pas fait. Des petits films, quoi. Des petits films pas connus, quoi. Non, voilà, c'est pas ça que je critique. C'est... Mais bon, bref, c'est un film. La chute du Faucon Noir aussi, quand même. Oh, oui. Oh, oui, ça, mais c'était chiant.
Toi, ouais, vas-y, va te prendre là. Quelle honte de merde. Et par contre, ouais, ce film, j'ai pas compris. Pro NASA, ce film, ouais, mais c'est Matt Damon, tout ça. Mais arrêtez, dites pas n'importe quoi. Mais c'est comme exactement la même bêtise quand tu as vu American Sniper, quand tu as fait un oui, pour américain, ça. Quoi. Je veux dire, arrêtez. Mais c'est... American Sniper, moi, je me remets en question sur la personne qui était. Putain, FDP. Ouais, mais là, c'est la vision du réalisateur qu'on mais a jugé quand on a fait la table. Voilà, la réalisation, voilà, mais Pro NASA, faut pas déconner, quoi. C'est un film qui va être un bon divertissement, qui est ultra prévisible, c'est du vu, du sur-revu, mais après, ça respecte ça. Mais après, tu dis un film qui est pas Pro NASA, mais malgré tout, le film, il donne une bonne image de la NASA. Par exemple, quelqu'un qui est très crédule. À la NASA, je pense pas que ce soit des enculés de nature. Ouais, mais attends, ça, c'est dans ta tête. Ça, c'est pas la réalité, c'est dans ta tête, ça. Ouais, non, mais ça m'est... Illuminati. T'aurais préféré qu'il fasse un film où ça soit pas appelé NASA, mais dans ce cas-là, t'aurais dit, oh, mais en fait, c'est un clin d'œil à la NASA. Attends, les États-Unis dirigent le monde, ce sont des Illuminati, et à World Trade Center, c'est les Américains. C'est vrai, ça. Je l'ai entendu dire que c'était des reptiliens. Bon, Adam, arrête de fumer du pot. Des reptiliens de première génération, faut le dire. Adam, et Pokémon existe. J'ai des témoignages. Pokémon existe. Ils auraient envahi le Japon. Non, mais il y a eu un témoignage, les mecs. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le prince Charles a été vu. Parce que le prince Charles, en fait, c'est un reptilien de deuxième génération. C'est un hybride. Il aurait été dans la pile de Westminster en train de se changer en reptilien. Le prince Charles. Bon, Adam, non, sérieusement, Adam, je déconne pas, arrête de dire n'importe quoi. Donc, non, Adam, non. Surtout voilà. Si on ne montre non, pas Charles, la gueule, quoi, les Russes. Oui, voilà. Ah, c'est pro-russe, c'est pro-Poutine, oh là là. Parce que Adam fait le malin, mais la dernière table ronde sur Aladdin, mon petit... Hein. Mais moi, je m'en fous, c'est un film. Hein. les choses se savent, mon petit, non, sur Internet. Je veux bien que voilà, ça soit pas terrible. Bon, je vais mais... conclure, donc moi, je lui donne la note de 13,5 sur 20. Voilà. Très bien. Ouh, c'est pas beaucoup. Nicolas. Bah moi j'ai bien aimé. Premier film que je vois en 4D. Je trouve le système intéressant, même s'il mérite d'être un peu plus poussé. Surtout qu'il y avait moyen quand même, même sur ce film-là, de pousser un peu plus le délire des sièges qui bougent. En même temps, après le film n'est pas étudié pour ce système-là, donc je pense que c'est rajouté en plus. Mais je trouve ça intéressant quand même. Visuellement c'est très beau, c'est ce que j'attends d'un film, c'est que déjà l'image soit jolie à regarder, ce que j'ai bien aimé dans les bandes annonces de Star Wars justement, c'est que ça a l'air d'être très joli à regarder, donc ça me plaît déjà de voir un beau film, mais en même temps le scénario il est pas trop bidon, il y a des trucs ça sent un peu le rajouter, comme le coup de la base qui explose, ça fait un peu genre on va rajouter 20 minutes de film, tu vois, histoire de caler un petit truc en plus, mais sinon à part ça le film est très bien. Je ne m'attendais pas à voir le film de l'année, voire de cette décennie. J'ai vu un film qui m'a beaucoup plu. J'ai passé un bon moment au cinéma. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus, à part que je suis fatigué, rien. Je lui donnerai un petit 16 sur 20, voilà, parce que j'ai vraiment bien aimé le film. J'ai été entertainé, pour faire un autre parallèle à un film de Ridley Scott, pour ceux qui connaissent la VO. Voilà, c'est tout, c'est sur 20. Voilà. Valérian. c'est une adaptation de bouquin, on a tendance à l'oublier, qui est vraiment un film de science-fiction pur pour citer une magnifique émission qui s'appelle Akira Deba sur Star Wars Nouvel Espoir, deuxième partie. Il y a un intervenant qui avait dit que la science-fiction, c'est ce qu'on appelle science-fiction, la science justifie le propos et l'univers. Ce serait la définition du genre. Je trouvais que c'était très très juste. Et je trouve que justement le film s'insère complètement dans cette définition. Il ne le sort pas vraiment de ses tripes, mais on ne l'attend pas forcément à ce niveau. Il n'a pas besoin de se forcer pour fournir un film qui respecte son engagement. Et sa réalisation est à la hauteur. Non. Elle résonne au diapason de son scénario. Et donc pour ça, je lui mettrai un 14 sur 20. Très bien. Valentin. C'est un bon film. C'est cool. Il y a des jolis décors.
Le scénar tient la route malgré ses défauts. La mise en scène tient la route malgré ses défauts. Les acteurs sont vraiment excellents. Malgré leurs défauts. le propos est tenu, voilà. Après, je pointe du doigt avec beaucoup d'appui le manque d'originalité du film. Mais bon, dans un sens, tous les films n'ont pas besoin d'être originaux pour être bons. Mais voilà, lui, ça passe, c'est bien. C'est sûr qu'à côté d'Exodus, c'est quasiment un chef-d'œuvre, mais... voilà, non, ça passe. Ouais, un petit 13,5. Ouais. Oui. Oui. Quant à moi, ce que j'ai le plus apprécié dans ce film, c'est le fait qu'au final, c'est une histoire qui est censée être dramatique, qui est abordée avec beaucoup de légèreté. Contrairement à ce qu'on nous produit dernièrement à Hollywood, beaucoup de films dramatiques avec des images sombres, voilà, super-héros et j'en passe et des meilleurs. Là, c'est vraiment sympathique. C'est une bonne surprise. C'était assez intelligent de reprendre les acteurs d'Interstellar, de mettre des images qui pouvaient te faire penser à Interstellar. Et puis voilà, en fait, non, c'est juste les très bons films. Il y a quelques petits trucs qui m'ont sauté aux yeux, mais sinon, c'est pas mal du tout et je vais lui donner 15 sur 20. Donc, si vous voulez participer à la table ronde, Choisy va vous dire comment on fait. Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle. Et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet « Candidature » dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi et je te fais un bisou. Donc, merci à vous d'être venu. Donc, merci à toi, Valérian. De rien. Merci à toi, Valentin. C'est un plaisir. Merci à toi, Mathieu, d'être là sur un bon film. Ah, enfin ! Enfin ! Bah, toujours un plaisir. Hein. Merci à toi, Charles. Mais de rien, merci à toi aussi. Et on vous dit merci à vous de regarder toujours plus nombreuses et nombreuses la table ronde. Et à la prochaine fois pour une table ronde sur Anthony. The Walk. Ouh, voilà. King Dead. C'est génial. The Walk, Zemeckis Robert. Zemeckis Robert. Zemeckis Gordon Lewitt. Sur ce, des bisous et ne restez pas seuls. Tu sais, je m'imagine choisir manger des parler. Patates. Manger des patates. Avec du ketchup. Des patates. My life is potatoes. Ah oui. Oh putain. Ah, j'ai oublié cette vidéo. Sans patates. Avec ou sans patates. Du coup, on conclut comme ça, j'arrête.